Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte d'horreur. Et comme tu peux le voir au menu, une découverte gore en pixel art avec potentiellement un clown et un chat qui est chaud et un beat qui est bon. Je suis de ce côté de ton écran aujourd'hui puisque tu verras que les sous-titres sont du côté gauche. On est sur un jeu en 2D pixel art qui a l'air d'avoir une musique excellente, une atmosphère excellente et surtout ultra gore. C'est fait par le développeur de Suffer the Night. C'est son tout dernier jeu là qui vient de sortir. Aujourd'hui ou qui sort demain. Merci à lui de m'avoir offert la clé. Je crois qu'on le fait. D'ailleurs, je crois qu'il sort demain. Je crois qu'on le fait un peu en avance. Donc, tu sais, les petits jeux en avance, il y a toujours quelques petits bugs. On n'espère pas. Le jeu n'est malheureusement pas dispo en français, mais la traduction est activée. Il dure à peu près, je crois, 2h30, 3h. Je ne sais pas encore si cette vidéo sera une découverte ou un let's play complet. On verra si le chat est chaud et si je kiffe, si j'ai envie de le faire d'un coup. Bref, Terror à Outwood, ça coûte 6€. Ça vient de sortir. On est parti, mesdames et messieurs. Let's go, baby. Ouh, j'aime bien ce petit... le pixel art est propre, hein, franchement. Alors, prologue. Et merci beaucoup pour les deux, ce beau frère Redson. Ça a l'air assez dark comme jeu, quand même. Hein. Alors, attends, la traduction. Traduction, allô. Ah, c'est bon, elle marche. Ah, moi, je l'ai pas, vous l'avez. Okay. Réveille-toi, Teddy, on se lève. Il est temps de se lever. Alors, je t'ai pas dit l'histoire YouTube, mais ça parle d'un serial killer dans une petite ville, et c'est inspiré des slashers, évidemment, des années 70-80. Teddy, le masque est fait pour vous. Remets-le. Attends, on joue le serial killer ? Oui, maître, je vous servirai. Venez au sous-sol, Teddy. Je vous attends. Waouh. C'est gentil, Slimane. Fais-le sur Discord, alors. Ok, je me déplace comme ça. Il est jouable à la manette, mais... objectif, trouver le basement. Ah, mais chat, vous êtes devant les objectifs Hop. Alors, la trad des nounours, c'est normal. Il y en a qui comprennent pas, mais Teddy Bear en anglais, ouais, c'est... Ok, faut trouver le basement. Ok, je peux pas sauter. Ok, j'ai une blue candle. Ah, mais j'ai un inventaire. Oh putain, j'ai un inventaire. Ok, blue candle. Waouh, ça a l'air creepy quand même, hein. Ça doit être là, le basement. Est-ce que je peux aller visiter là-bas? Non, c'est bloqué. Okay. Merci beaucoup, Valtron. Game menu. Ouais, non, mais ça, c'est bon. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, l'inventaire, je sais, j'ai déjà fait. Oh, mais c'est quoi ce manoir là? Oula, 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 oula. Oui, mon costume est presque terminé. Je vendrais tellement plus de glace avec ce costume. Quel enfant ne fait pas le clown? Ok. Comment tu vas, Kali? Qu'est-ce que c'était que ça? On aurait dit que ça venait de l'extérieur. C'est quoi, c'est une météorite? Qu'est-ce que tu es? Oh shit! Oh, c'est un truc qui nous transforme. Oh oui. Je comprends vos pensées maintenant. Le voile s'est transformé en quelque chose d'acceptable dans votre esprit. Ok. Nous sommes maintenant reliés, Teddy. Et pendant que tu portes ça, tu me serviras et partageras mon pouvoir. Ok. Ouais, c'est vraiment le scénario des années... Ouais. Commençons le grand travail qui doit être accompli.
Pourquoi luttes-tu encore? Le destin de ça. Je vous lis la traduction, d'ailleurs, je vais vous la placer. Je vous la lis ou je vous la lis pas? Ok, traduction tout en haut et vous voulez que je vous la lise. On est parti. Pourquoi luttes-tu encore? Le destin de ce rapanier et ces planches ne vous éloigneront pas de moi. Tu es à moi, Teddy. Oui, je suis désolé, maître. Je vais vous servir. Récupérez votre scie et détruisez ces planches. Ok. On aille au garage, j'imagine. Oh, attendez. Ah, il faut trouver les bougies. Ok. Je n'ai pas la bonne bougie. Très bien. Alors, je sais qu'on joue plusieurs persos, chat. Ok. Ok, il y a un... Il y a un ours en plus qui a été rajouté à notre inventaire. Ok. Wouah, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? Ok, ça doit être un énigme. Un festin de chair doit être offert. Ok, donc ça, à mon avis, ça faut le faire dans le bon ordre. On peut tester. Ok, celui-là est pas bon. Ok, celui-là en premier. C'est quand même dégueulasse. Hein. Ok. Bon, ça va, c'est juste du brute force. Installe-vous. Il me semblait que j'en avais oublié une au début, ouais. Ok, celui-là. 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 Ça va être la dernière combinaison, tu vois. Ah non! Trop fort. À mon avis, on va tuer des gens. Verte. La bougie violette. Putain, j'ai toutes les bougies. Le pixel art est très joli. Hein. Le jeu dure à peu près 2 heures, mais je sais pas si on le fait en entier. Hein. C'est une découverte. Ah bah non, j'ai toutes les bougies. Qui c'est qui me disait que j'ai oublié une bougie? Je récupère la scie. Oh, la scie est pleine de sang aussi. Waouh. Alors, on peut jouer manette, hein, mais j'ai oublié de brancher la mienne. Ok. Mais même les animations sont cool. Hein. Oh merde, faut une clé. Non. Oh shit. Tu entends, Teddy? Le masque aspiratoire. Oui, je l'entends m'appeler. Mets le masque, Teddy. Embrace the power. Et tu seras récompensé. Oui, grand maître. Good. Bien, très bien. Oh, c'est trop bien. Maintenant, viens plus près. Je souhaiterais te voir, Teddy. Wouah, la gueule! C'est quoi ça? Apporte-moi cette chair par terre. Il faut que je dîne, que je me régale, quoi. Le bon cadavre goûtu. Nourris-moi, Teddy. Oui. Même si la chair est exquise. Ça ne me soutient pas. Trouve de nouvelles victimes. Apporte-moi de la chair fraîche. Je vous servirai, maître. Incroyable. Nom. La voix que tu as faite, Teddy, je peux plus respirer. Écoute, c'est sa voix. C'est pas très gentil, hein. Ok. Chapter 1. Le claquage de Holly. Merci, Naro, pour le claquage. Oh mais attendez, il y a combien de persos? Je peux pas faire toutes les voix, moi. Bien. Ce soir semble entièrement consacré aux rediffusions. Disais ma puce.
Miel. Ah oui, Ronnie, c'est Miel. C'est une de mes émissions préférées. Ça s'appelle Destination Fear. Oh non, j'ai pas envie de faire les voix de tous les persos. Je suis sûr qu'il y a 6000 persos en plus. Perso, le jeu, bof. Mais ferme-la. Oh, la journée a été longue, donc je vais prendre une douche à l'étage avant de me coucher. Oh merde, faut que je fasse le... Breaking news. Teddy a encore frappé. Le reste partiel de deux individus adultes aurait été retrouvé plus tôt dans la nuit, gardant les habitants de Oakenheart en haleine et dans une peur constante. La police a révélé... Ah, mais ça, en fait, ça fait chier parce que je dois lever la tête à chaque fois pour regarder la trad. Donc c'est chiant. Prévenons-nous qu'il a tendance à cibler les couples et les familles. Un couvre-feu a été mis en place. Il est conseillé aux résidents de rester à l'intérieur la nuit et de s'assurer que toutes les fenêtres et portes sont fermées. Encore des bonnes nouvelles. Non, mais de toute façon, il n'y a que des bonnes nouvelles à la télé. Hein. Contactez le département de police si jamais vous avez des informations sur la position de Teddy ou si vous remarquez quelque chose de suspect. J'avoue que tu vas avoir mal au cou. Vaut mieux avoir mal au cou qu'au... Ah mon dieu, cela me fait frissonner dans le dos. Ils doivent arrêter ce monstre avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Ouais, t'inquiète. Ne t'inquiète pas, chérie. Ah, je suis sûr qu'un idiot habillé en clown, il va pas te faire de mal. Putain de biknit. N'oublie pas de faire la vaisselle lorsque nous avons fini de regarder notre émission. Ah, tu l'as oublié de la faire la dernière fois. Et puis t'as pissé dans l'évier aussi, dégueulasse. Ok, on joue elle. Oh, c'est ça de sortir avec des drogués, hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Allez en haut et prenez une douche. Ah. Ok, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Ok, on a la cuisine ici. Ah, attendez, il y a des assiettes. Ok, je peux pas prendre les assiettes. J'ai pas besoin d'aller dans le basement right now. Ok. Si, derrière la fenêtre, j'ai cru voir un truc, mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que j'ai regardé plusieurs fois. Mais je sais pas, apparemment non. Ici, c'est quoi? Oh, une flashlight. Ok. Ok, j'en ai pas besoin. La musique est assez flippante. Pour l'instant, il n'y a pas d'humour. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'humour que ça. J'ai pas besoin d'aller dehors, ok. Le téléphone. Ok, la salle de bain est ici. On va se prendre une douche. Et notre bébou va se faire assassiner, à tous les coups. Oh, je suis choqué que la police n'ait pas encore trouvé ce fou. Le mec, il change de voix à chaque fois, quoi. Dans tous les cas, je devrais vérifier mon arme à l'étage et m'assurer que mon arme de poing est en état de marche. Oh merde, c'est un flic. Ok, c'est un flic. Bah, c'est peut-être... Remarque, on est aux États-Unis, donc l'arme de... Tout le monde a une arme, un peu, hein. Ok. Ok. Ok, ça doit être dans la boîte, ici. Ok, voyons voir ce qu'on a ici. Tout semble aller bien. Je vais garder la clé sur moi, au cas où. Ok, je vais retourner en bas faire la vaisselle, sinon Ashley va me tuer. Donc là, dans mon inventaire, j'ai la clé. Ok, j'ai la clé de... Alors, je crois qu'il y a plusieurs fins de chat. Hein. Donc, faut faire attention et les choix qu'on fait. Hein. Okay. On va aller voir mon bébou. Tyler, arrête! Ne sois pas un pervers! Ouais, mais Ashley, ça va, ça fait 3 semaines. On dirait Kevina d'Elysée Moon. Bah, pff. Quand t'es un mec et tu fais une voix de fille, c'est un peu tout pas. Ok, on va aller faire la vaisselle. C'est bizarre. Ah. J'étais persuadé que cette fenêtre était fermée. Oh merde. Oh merde. Est-ce qu'on va chercher notre gun? Écoute, on va jouer le jeu, on va jouer le jeu. Ok, je fais la vaisselle. Il va tuer mon bébou.
Ok, tout est fait. Je vais aller chercher les poubelles dans le basement et je vais les sortir. Mais dis donc, mais cet homme incroyable. Il sort les poubelles sans que sa femme le dise. Ah, ça joue tout seul. Ok, allez, on s'occupe de ces poubelles. Qu'est-ce que... Ah ! Ok. What ? Est-ce que le courant vient de se couper ? Tyler ! Le courant s'est coupé ! Merde. Où est Tyler ? Il fait tellement noir, faut que j'aille attraper la flashlight. Ok, la flashlight, on sait où elle est. Ah bah attendez, c'est... Okay, je vais essayer de me dépêcher, mais on va se faire poignarder, c'est sûr. Oh. Attendez, on va... Ok. Ok, faut qu'on aille chercher la clé du gun. Je peux courir ou pas ? Je peux rouler ? Je peux pas rouler. Non mais c'est vrai en fait, c'est sa tête. Oh putain. Faut que j'appelle la police. Okay. Non, non, je vais chercher Tyler. Dans le basement. Mais non, mais pute, pardon. Elle a les clés... Il a la clé du gun. Excusez-moi. La police est à l'étage. Je vais me faire trucider. Il va sortir. Oh là, elle était. Rien que faire le numéro, tu perds 15 minutes. Salut AK. Police département, quelle est votre urgence? S'il vous plaît, il y a quelqu'un dans ma maison. Teddy est dead. Il a tué mon copain. Madame, s'il vous plaît, restez calme. J'ai besoin de me dire où vous habitez. 1428 West Haven Street. S'il vous plaît, venez vite. Je ne sais pas qui est là. Écoutez-moi très attentivement. Trouvez un endroit où vous cacher. Et si vous pouvez, armez-vous. L'aide arrive. Aouh ! Oh, zbra, zbra, zbra ! Ah merde, game over, ok. Tout va bien, bon on va restart. YouTube, petite coupure et on revient. Et très sympa, hein. Ça a l'air très très gore, très... Mais l'histoire a l'air cool. L'histoire a l'air vachement cool, tout de suite. Ok. Alors attends. En fait, il faut aller... Il y avait un placard, je sais qu'il y avait un placard ouvert. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler la police. Okay. On a remis le chat en haut parce que c'est vrai que c'était un peu gênant, YouTube. On appelle la police. Faites un sondage s'il vous plaît, modération, si on laisse le chat ou si on l'enlève. C'est gentil. Donc ça on a déjà lu. Je peux pas m'empêcher de regarder, tu vois. Ce qu'elle m'a dit. C'est ici je crois. Et là il y a un placard. Il vérifie même pas sous le lit, c'est quoi ce tueur? Le pistolet de Tyler est juste là. Mais je n'ai pas la clé. Pourquoi il n'y a plus de traduction? Tyler doit avoir la clé sur lui, il faut que je la trouve. Le problème c'est que Tyler...
problème, c'est qu'il y a le tueur dans la baraque. Votez le sondage, chat. Hein. C'est que Tyler, il est où? Parce qu'il a peut-être déplacé le cadavre, le mec. Oui, c'est vrai que l'anglais est pas super dur, c'est la trad fonctionne plus, mais bon. Alors, YouTube, hein, aujourd'hui, il y a un qui marche. Sache-le, il y a des jours comme ça. Hein. Mon chat marche pas, traduction a l'air de marcher à moitié. Tyler, il est pas prêt de marcher, lui. Il nous attend en basement, c'est sûr. Ah, c'est bon, ça marche. Oh mon dieu. Tyler, je suis désolé, bébou. Prends la clé. Et j'essaie de faire gaffe. Hein. Il va arriver par la vitre. Je le sens pas. Je le sens tellement pas. Qu'on va réussir à lui tirer dessus. Putain, mais il est où? Ok, on a le gun. Alright, you son of a bitch. Ok. Oh, elle l'a défoncé. Ok, vous voulez qu'on enlève le chat? Très bien. Ok, on joue le flic. On joue Hadley. Je trouve ça trop bien. Bien, on dirait que le courant fonctionne et de retour. Vous pouvez confirmer le corps. Est-ce que c'est bien Teddy? Est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, c'est lui. Putain. Je reviens pas qu'une jeune femelle en détresse l'ait shooté. Quel beau bordel. Sarah l'a shooté. Attends. Sarah l'a emmené à la gare pour se... Attends. Sarah l'a emmené à la gare pour se rendre compte de ce qui s'est passé ici. Ah non, station, c'est le commissariat, c'est pas la gare. Okay. Au moins, Hogwarts dormira un peu plus facilement, sachant que le maniaque est enfin mort. C'était une jeune femelle en détresse. Ma description est plus que... accurate. Ok. Chapter 1. Je crois qu'il y a 7 chapitres. 7 ou 8 chapitres. En vrai, pour l'instant, j'aime bien, c'est pas mal. Je me demande où l'histoire va aller, par contre. Salut Thibaut. Salut Flogba. Ok. Un an plus tard. Quoi? Un an plus tard au cimetière. Ok. Putain, c'est magnifique. Ah, c'est un peu dommage que la musique soit pas plus épique, tu vois. Ok, chapitre 2, pardon. Teddy est vivant. Ok. Quelques heures plus tard. Ok, Beaver. Hey, Sarah! Ça va ce soir? Juste un os. Faut que je m'entraîne pour faire les voix des filles, j'ai du mal. Oh, c'est une soirée ordinaire à Hogwarts. Qu'est-ce qui vous amène ici, Maître Scout? Ouais, écoute, j'étais en train d'aller au camp Hogwarts pour rencontrer le conseiller du camp, les membres, tout ça, pour leur donner un briefing sur la sécurité avant l'ouverture de demain. Cependant, j'ai découvert un énorme arbre qui s'est effondré et qui bloquait le pont à cet endroit. Si Hadley me retrouvait là-bas, je pourrais l'aider à le retirer de la route. Jusqu'à que ce soit nettoyé, quoi. Il y en a qui sont piégés là-bas. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du moment où Ashley Lawrence, résidente... Attends, résidente... Il y a des fois, il y a des mots, il reconnaît pas, je sais pas pourquoi. A mis fin au terrifiant reine... Ah, ok, c'est l'anniversaire d'Ashley. Ok, la meuf qui a buté.
Service commémoratif local, plutôt en honneur de Teddy. Pourquoi en honneur de Teddy? Le mec, c'est un tueur, quoi. Ses crimes ne sont pas oubliés. Bah, je sais pas si c'est le bon move de faire un mémorial pour un serial killer, quand même. Je ne peux pas croire que ça fait déjà un an. Je sais, c'est incroyable. Ok. Cette pauvre fille, personne ne devrait vivre ce qu'elle a vécu. Quoi qu'il en soit, je demanderai à Asley de venir là-haut t'aider avec cet arbre. La police d'écriture qui n'aide pas la traduction. Ouais, la police d'écriture un peu... Mais bon, ça va, elle s'en sort pas trop mal, je trouve. Je devrais aller retrouver Adley et lui dire ce qui se passe. Ok. Ok, faut que je trouve Adley. Donc Adley, ça doit être le policier en chef. Celui qui était en charge de l'enquête il y a un an, du coup. Ok, les casiers. J'ai pas besoin... Il est dans la processing cell. Ok. Ouais, ouais, non, mais j'ai compris, il faut que je trouve Adley. Processing cell, ok. Attends. Les bruits de pas quand il marche, c'est un peu bizarre. Cell. Bathroom. Ça doit être les... Bat... Ah, il est là. Hey, Sarah, what's up? Hey, Adley. Le maître scout Beaver. Alors, Beaver, c'est Castor, je crois. Et tu vois, il traduit pas Beaver. Alors qu'il traduit Teddy. C'est bizarre. Et passé, il a dit qu'il avait besoin d'aide pour dégager le chemin pour monter au camp Ocourt. Ah, je vois. Eric travaille sur mon véhicule en ce moment. Mais dès qu'il a fini, je peux aller là-haut et aider Beaver. Et au fait... Attends. Ace was looking for you. Ah, Ace te cherche. Ok. J'irai le voir. Je vais aller le voir maintenant. Ok, faut qu'on aille voir Ace. Alors, Ace, il est où, du coup? Dispatch. Des bisous, ouais, allez. Ok, là, c'est le garage. Bah, du coup, Teddy est un revenant. Bah ouais, c'est un mort-vivant, tu vois. Je me demande si c'est l'entité du début qui l'a fait revivre. Ok, dispatch. Ça doit être dans opération, non? Office... Non, c'est pas du tout. Salut Kugi, tu vas bien? Ah, Katana Zero, c'était cool. Ok, dispatch, c'est où? Merde, dispatch, c'est où? Ok. On va aller dans office. Là, ok. Ah, ok, c'est lui, Ace. Okay. Ace, tu as besoin de me voir? Ah, Sarah, oui. J'étais justement à la radio avec le shérif Russell. Il a besoin que vous attrapez la clé des fournitures de son bureau, que vous nettoyez la salle de douche. Pourquoi? Quoi? Pourquoi moi? Où est le concierge? Bah ouais, c'est pas trop son taf, quoi, comment tu vas, Canigoule? Apparemment, il est malade et ne peut pas venir ce soir. Je sais que ça pue, mais quelqu'un doit le faire. Ouais, faut que ça soit la meuf, quoi. Dommage. Très bien, je vais y aller directement. Ah bah super, le taf, quoi. Sherry's office, ok. Ok, la clé est là. Ok, on a la clé de la supply room. Supply room, elle est où? Je sais pas où elle est. Ça va bien? Salut, my ship. Ça sent la douille. Ouais, il y a un truc qui va pas. Oh, c'est quoi ça? Yeti? J'ai une peluche de Yeti. Ok, ça doit être décodé collectible. Ok. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Je suis juste un peu pressé de savoir où ça va aller, tu vois. Ok, là, c'est les douches. Je pense que le... Ouais, voilà, c'est là. Ok, faut qu'on chope ça. Oh, trop bien! Et les animations sont vraiment stylées. Hein. Jayu, shower room. Okay. Ah! Pourquoi il fait noir ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez. Merde, j'avais dit à Eric de remplacer les ampoules ici. Et qui a laissé toutes ces douches ouvertes? Quelqu'un me joue un tour. Oh merde, je crois qu'elle va crever, chat.
fuck? Ok. Mec, je suis sûr que j'ai faim, j'irai bien manger un petit morceau. Je pense que je vais me faire un petit quelque chose dans la salle de repos avant qu'Eric ne finisse de sa shift. Ok, la salle de repos, on l'a vu tout à l'heure. Il lui a arraché le cœur et il l'a bouffé. What the fuck? J'imagine qu'il faut une clé. Ouais, il faut une clé. Alors attends, quelle salle je dois aller? La break room. La break room, c'était dans quoi? C'était dans opération. Je l'ai vu dans office break room, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, je vous ai dit, hein, boucherie nocturne. Je choisis pas le nom au hasard. Ok. Petit donuts. Oh mon dieu. Des griffes d'ours, mon préféré. Ok, faut pas que j'en mange trop, sinon mon pantalon ne... Enfin, il va être trop, quoi. Trop petit. Je vais me faire un sandwich à la place. Mais il a bien raison. Entre un sandwich et un donut, je suis désolé, il n'y a pas photo, quoi. Petit sandwich. Ok, voyons voir. De la laitue, du jambon, du fromage, un peu de lait. Les ricains, faut qu'ils arrêtent, tu rajoutes des tomates, ok? Ajoute un peu de mayo. Oh merde, oh merde! Oh, oh, il lui a éclaté la tête! On dirait que ma pause est finie. Je ferais mieux de commencer à travailler sur le croiseur d'Adley. J'ai besoin d'activer l'ascenseur et d'attraper mes outils. Ok. Non mais en fait, c'est ça, on joue les persos avant qu'ils se fassent tuer, quoi. What the... I don't comprend. Ils sont où mes outils? Sur le mur? Ils sont là. On va commencer par le fond. Hop. Hop. Ok. Oh, il va... Non. Adley, c'est toi? Je suis toujours en train de travailler sur ton cruiser, mec. Ça te dérange pas de faire rouler les pneus jusqu'ici? Adley? Ok. Ah bah lui il va finir en crêpe, ouais, c'est sûr. Moi j'ai toujours peur d'être dessous des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'était que ça? On aurait dit un animal qui crie. I should check it out. C'est le Black. Le Black il a toujours une voix de taré. Je devrais aller vérifier. Ok. Je devrais m'assurer que cela est clair avant de passer. Oula, j'ai pas trop compris mais... Alors attends, le garage c'était où, chat? Où je fasse quoi? Ok. I should clear this area before moving. Ah ok, faut que je check toutes les salles avant de... Ok, ok. Il a pas été le premier à mourir? Ah normalement, Black est censé être le premier à mourir, mais là non, incroyable. Oh, il y a du sang. Oh! C'est du sang? Ah, mais non, c'est de la pastèque, c'est la nouvelle whale à la pastèque. Oh putain, c'est Asley? Qui t'a fait ça? Il faut que je trouve Eric et Sarah vite et qu'on aille à la... J'allais dire à l'armoire, l'armorie. L'armorie, comment tu dis en français l'armorie? T'as compris? Oh, t'as compris, chat. L'armurie, voilà, merci. Je savais que le mot était similaire. Ok, faut que je trouve Sarah. Faut que j'aille voir les locker rooms. La salle des casiers, quoi. Ok, je check tout. Dispatch, on est bon. Ok. Vous aimez bien le chat, le jeu? Je trouve ça pas mal parce que je trouve que ça va assez vite. Tu sais, il n'y a pas de... En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de séquence où on doit fouiller quelque chose pendant deux plombes. Oh putain! Tu m'as fait peur, calme-toi! Merci énormément pour le claquage. Merci beaucoup. Ok, locker room.
Ah mais Sarah, elle est dead? Mais oui, je suis con. Attendez, Sarah, elle est dead? Elle est dans les douches. Oh merde. Sarah. Pas toi. Ah. Ok. Inventaire, j'ai la clé de l'armurerie. Faut que j'aille à l'armurerie. Attends, mais en fait, t'imagines, en fait, à chaque fois, c'est un... À chaque chapitre, ça... comment dire? Tu tues le mec et à chaque fois, un an après, il revient le jour de son anniversaire. C'est peut-être ça l'histoire. Je vous rappelle que c'est un slasher des années 80, donc tu sais, l'histoire. Okay. Et bon, on va voir. C'est le jeu, tu vois, faut essayer de deviner. Attends, c'était où? C'était de l'autre côté. Ça manque de peps? Je pense que ça met l'histoire en place, tu vois. Quelle armurerie. Excusez-moi. Comment tu vas, Théo? Tu vas bien? Ok. L'armurerie. Oh, le petit shotgun, il est pour moi, baby. Alors là. Petit shotgun américain, comme on aime. Il faut que j'attrape des balles. Attends, ça part en survival horror, là? Je vais faire payer ce fils de pute. Ok, j'appuie sur la souris pour tirer. Combien j'ai de balles? C'est pas marqué? Ok. Oh, ça va chier, baby. T'as pour une fois que c'est le black qui a le bon rôle, quoi. Il faut que je check le garage et il faut que je vois si Eric est toujours en vie. Alors attendez, le garage, c'était où, chat? Ça, c'est les cellules, rien à voir. Si, attendez, c'est là. Et c'est là. Recharge. Et c'est rechargé. T'inquiète pas. Police. Freeze. Fuck. Eric. Oh merde. C'est Eric? Quel bordel. Sors d'où tu es, motherfucker. Ok. Oh, attendez, il y a le signe. C'est le même signe que chez lui? Une bouteille de gaz. Une balle dessus la ferait exploser direct. Il vaut mieux pas que je tire tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Qu'est-ce que c'est que ça? Boum! Qu'est-ce que c'était que cette chose? On aurait dit Teddy. Il faut que je retourne au dispatch room et que j'alerte le shérif avec la radio. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. En fait, ça manque de peps, Nini, parce que c'est moi à chaque fois qui lis la traduction. Mais quand je traduis un peu à la volée comme ça, ça va mieux, je trouve. Au pire, si la traduction est approximative, vous avez les sous-titres en haut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Attendez, faut que j'aille à dispatch. Hein. Ok. Et dispatch, c'était pas ici? Non. Donc dispatch, pour ceux qui savent pas, c'est le policier qui est très important, hein, qui sert à transférer les appels radio et tout. Hein. Tu sais, c'est celui qui dit en gros code 12, on a besoin de quelqu'un, ici. Tu vois un peu ce que je veux dire? Opération, je crois, dispatch. Là? Non, c'est pas là, ça doit être office. L'opérateur, oui, c'est l'opérateur, voilà. Dispatch. 14-4, Roger. Ah, mais c'est ça. Très important, dispatch. Sheriff Russell. Sheriff Russell, vous me recevez? C'est Ace. Salut Ace, vas-y. Shérif Russell, il faut que vous rameniez votre cul tout de suite. Il y a des morts de partout. Shérif, tout le monde est mort. Teddy is back. Teddy est de retour. Fuck! De quoi tu parles, Ace? Tes coups de feu? Ace! Ok. Putain, il est... En fait, Teddy est invincible, du coup. Teddy... Maître! Tu as échoué. Mais... I have found a purpose for... Ok. Mais j'ai trouvé un objectif pour toi. C'est pour ça que je t'ai ramené à la vie. Le masque a fusionné avec toi. Ce qui te permet de me servir encore une fois. Mais... It means for... Attends. Ah, j'ai pas le mot.
Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me traduire le Yirdzn? Je l'ai pas ce mot. C'est un mot que j'ai jamais vu. C'est réclame? Ok. Mais j'ai besoin d'un nouvel hôte. Je comprenais la phrase, mais je voulais traduire comme il faut. C'est souhait, désir. Ah bah tu vois, même moi j'apprends encore des mots. Ok, Yirdzn, j'avais jamais vu ce mot. Ok. La fille qui t'a tué. Le masque. L'appel. Amène-la moi. Sa chair ne doit pas être... Comment il traduit ça? Gaspillée. Voilà. Lisons à mes enfants de les infecter afin qu'ils puissent bien nous servir. Ouais, donc en gros, c'est un virus, quoi. Je vous servirai, maître. Ok. Attends, il a gerbé quoi, là? Il a gerbé des petits... Comment t'appelles ça? Ok, attendez, je vais vous dire combien il y a de chapitres. Il y a 8 chapitres, mesdames et messieurs. Okay. YouTube, à tout de suite. On va se faire une pub entre chaque chapitre, je pense. Des asticots, des parasites, ouais, des trucs comme ça. Un peu plus tard. Ok, ils sont à la Ranger Station. Donc là, on va jouer le scout. Ok. On va jouer le scout. Ah bah, YouTube, tu vois quand je mets la pub à Twitch maintenant. Incroyable. On dirait que le générateur n'a plus d'essence. Pendant que j'étais à la station de police. Faudrait que je prenne du fuel et que je refuel. Ok, y'a pas de souci, on va faire ça dans l'atelier. Il faut aussi que je contacte le camp Oakheart à la radio et les informer de la situation avec la route. Ok. Ok. J'aurais préféré des musiques un peu plus synthwave. Mais ça, c'est mes goûts perso. Un monument. Ah, ok, ok. Sur la création du machin. Okay. Ok, il faut que j'allume le générateur. Donc le générateur, il n'y a pas d'essence. Ok, donc faut que j'aille dans l'atelier choper de l'essence. Ok. Ok, on a du propane ici, faut faire gaffe. On va remettre de l'essence. Hop. Je pense qu'il y a, plus. Il y a un truc. C'est pas juste une entité, tu vois, qui vient de je sais pas d'où. Je pense qu'il y a, un truc en plus. Ok, la radio. Il y a un petit twist, il y a quelque chose. Il va se passer un truc, je sais pas, mais il va y avoir un twist. Mais c'est quoi cette manie de jamais éteindre, allumer les lumières, quoi? Ok. Ok, ici c'est la douche. Je suis déçu, Thibaut, je regardais ta nouvelle vidéo, j'ai manqué ton live. Mais sois pas déçu. Tu l'as pas manqué, t'es là. Ah, ne voyez pas le verre à moitié vide. Installe-toi. Et franchement, pour un jeu qui coûte combien il coûte 6 balles, c'est pas mal du tout, hein. Allô, le camp Oakheart, vous m'entendez? Ici le Scoutmaster Beaver. Hey Beaver, c'est Lily, what's up? Ah, ça fait du bien de t'entendre, Lily. Je vous appelle parce qu'il y a un souci avec la route. La route pour le camp est bloquée. L'officier Adley et moi, on va s'en charger. On va se diriger là-bas vers le matin pour s'en charger. Malheureusement, vous êtes bloqué jusqu'à demain matin, du coup, dans le camp. Oh merde, ça doit être la tempête. Ah, merci de nous tenir au courant, merci de nous avoir appelés. Je vais dire aux autres voilà ce qui se passe. Merci. Allez, restez en sécurité. Et si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Ouais, on le fera. Merci, Castor. Ok. I should go back and check on Max. Ok, donc on a un chien qui s'appelle Max. Ok, faut que j'attrape de la bouffe dans la cuisine. Ok, ok. J'ai une question pour vous, tiens. Est-ce que si jamais, un jour dans votre ville, peu importe la taille de votre ville, tu vois, mais il y a un tueur en série. Peut-être tu te rends compte que, je sais pas, il y a eu 4-5 morts.
Vous déménagez pas. Hein. Vous juste vous sortez plus de chez vous, on est d'accord. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, trop bien fait. Eh, hey, mon toutou. C'est qui le bon garçon? Ouais, ouais, vous restez chez vous. À partir de combien de morts vous déménagez? 40? Ah, attends. Attends, il faut que je te nourrisse, mon gars. Ok. Bon toutou, ça. Ouais, vous restez. Changer de pays? Ah non, mais c'est chaud quand même. Je suis sûr que ça a dû arriver à des gens, en vrai. Hein. Des petites villes de campagne où tu te rends compte, il y a un mec qui a tué 2-3 personnes. Ok. Je dois faire quoi, maintenant? Le firewood from the forest. Attends, c'est quoi, firewood? Ah, du firewood, bah c'est juste du bois pour le feu, ok. Ok. Non mais attends, mec, il pleut et tout, qu'est-ce que... Oh, il va se passer un truc. Il y a une hache ici. Oh non, le chien va pas mourir. Tout de suite, hein, prédiction. Oh non, pas mon toutou. Ok, il est pas mort. Mais fais la prédiction quand même. Est-ce que le chien va mourir? Ok, faut que j'allume la cheminée. Là, le pixel art est vraiment joli, quoi, j'aime bien. On va faire 2 jeux pixel art cette semaine. 2 jeux qui n'ont rien à voir. Ok, c'était où la cheminée déjà? C'était première pièce, je crois. Enfant, on avait un tueur en série dans le département. On ne sortait qu'en groupe la journée. Le soir, les gens s'enfermaient chez eux. Non, mais tu m'étonnes. Putain, c'est chaud, quoi. Okay. Mais je veux bien que tu allumes les lumières, par contre. Allez-y. Non, mais attends, il voyage. C'est un homme taupe, en fait. Oh putain, je le joue! C'est moi qui le joue. Oh non, donc c'est moi qui décide si on tue le chien alors. Ah, vous voulez perdre des points de chaîne? Oh non, 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 non. Je peux pas tuer le chien. Non mais tue-le, non mais tue-le. Écris déjà bien. On en reparle. Je quitte pas la ville, mais le 12 sera chargé sous le lit et faudra pas débarquer sans prévenir. Non mais tu m'étonnes. J'attends que toute la ville meure, je rachète toutes les maisons à superbe prix, je revends tout quand le tueur est arrêté. Ça c'est bon ça. Attendez, la prédiction n'est pas finie, YouTube en revient. Ah mais attends, je le caresse ou je le tue si j'appuie sur F là? Bon, je vais le laisser. Hein. Ah, j'ai pas, je peux pas. Attendez. Je crois que j'ai pas le choix, chat. Regardez, je peux pas prendre la porte. Alors, je vais aller de l'autre côté. Ah non, non, bah si j'ai pas le choix, ça m'arrange. Attendez, il y avait une porte ici. Mais non, là, c'est d'où je viens. On est d'accord. Donc, ouais. Chat, ça va jouer maintenant. Est-ce que je le tue ou est-ce que je le caresse? C'est pas moi qui choisis. Il a bouffé le chien. Ok. On dirait que Max était en train de j'allais dire de miauler, d'aboyer. Faut que j'aille voir. Bon bah voilà. Putain, il a bouffé le chien, quoi. Honnêtement, je pensais qu'il allait le caresser, honnêtement. Je me suis dit, ça aurait pu être sympa, tu vois. Il tue tout le monde sauf le toutou, il le caresse. Alors pour l'instant j'aime bien, mais je préfère quand même le jeu qu'on avait fait, Happy Hills Homicide. Allez voir ça sur mon YouTube, vous allez passer la meilleure soirée de votre vie. C'est dans le même style, c'est encore plus gore, sauf que c'est ultra drôle pour le coup. Oh putain, mon toutou. Max, oh mon dieu, non, 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 non. Qui t'a fait ça, boy? Vas-y, tiens bon Max, je vais chercher de l'aide. Hein? Mais non! Il est pas mort! Non Max, non! Oh mon bras! J'ai perdu beaucoup de sang, il faut que j'appelle de l'aide! Holy shit! Oh blablabla. Non mais mec, tu te balades avec le bras!
Holy shit. Ah mais du coup, la Sanonique l'a prédit, il est mort ou pas? Attendez, il y avait une trousse de soins par ici, non? Dans les chiottes. Il y avait une trousse de soins dans les chiottes, je crois. C'était pas ici. Le mec se vide de son sang en attendant. Là, il y avait les chiottes. Il y a pas une trousse de soins? Rembourser les gouttes. Non, mais il est mort, il est mort. C'est un mort vivant. D'où le nom. Mort vivant. Bon, ok, le mec veut pas se soigner. Apparemment, il veut juste appeler les potes à la radio. Quel con. Hogwarts, come on in. C'est Ace, Hadley, anyone? Ah, PD, c'est... Hogwarts PD, c'est la police. Department police. Un truc comme ça. Ok. Ok, je joue lui. Putain, on change les persos vachement vite, je trouve. Ah, c'était là, là. Ok, je peux... Oh, on va couper le courant. Non. Attendez, faut faire quoi? Oh putain, on va faire quoi? On va le cramer? Attendez, faut que je fasse quoi? Ah, faut que je monte dans la voiture? Ok, le truc dommage que je trouve avec ce jeu... Attendez, il va faire quoi? Ça va couper, chérie. C'était pas ici, pardon. Radical mais efficace. Bah ouais, tu m'étonnes. Salut. Ok, chapitre 3. Comment ça, chapitre 3? On voulait le voir... Salut, Jojo. Pas de regrets, les gens, les morts vivants, ça fait partie du domaine de la non-vie. C'est vrai, c'est vrai. Ok, le nouveau cauchemar. Donc là, on a fait la moitié du jeu déjà. Parce qu'il y a 8 chapitres. Donc, ah, donc on joue le... Ok. Pendant ce temps-là, au commissariat. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut que j'aille au dispatch. Que je trouve Ace et les autres. Ok, j'ai un gun. J'ai l'air d'avoir un gun. Et une lampe torche. Oh le bordel. Les portes sont bloquées, il faut que je trouve un autre moyen. Okay. Non, bah attends, le mec a cassé le mur et tout. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est du slime? Ah mais oui, il a vomi... Oh merde! Bonjour. Qui est là? Putain, je l'ai à peine vu. C'était Sarah? Fuck. Ça pue un peu. Hein. Eh oui, j'avais oublié le vomi. Ah, ok, il faut que je... Ok. Oh, ok, il y a un peu de gameplay, parce que j'allais dire, en fait, on se fait un peu chier. Oh, c'est dégueulasse. Merde, c'est bloqué. Ok, attendez, j'ai vu un zombard. What? Oh, je t'ai fait une esquive, elle était magnifique. J'ai plus de balles. On dirait que l'armorerie a été vidée. L'armurerie, pardon. Il reste que quelques outils ici. Peut-être que je peux trouver un explosif, improviser un explosif et faire sauter la créature de la cellule pour que ça m'amène au garage. Faut juste que je trouve les bons les bons trucs quoi. Okay. Attends, je vais recharger. Où c'est que je vois ma vie? Ok, je peux pas voir ma vie. I don't have all the parts. Ah merde, faut que je trouve d'autres trucs. Okay. Attendez, il y a un peu de gameplay et j'ai quasiment plus de vie. Ah d'accord.
Le gun est pas ouf. Bah après, pour un flic, il a pas l'air de viser la tête. Attends, mais je suis baisé là. Si ça a sauvegardé. On est bloqué. Attendez, je suis bloqué, je peux rien faire. J'essaye de... Tu vois? Attends. Et je peux rien faire. Je suis soft locked. Oh non, faut tout qu'on redémarre. On redémarre où? Oh ça va, on redémarre là. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Non, c'est pas une démo, c'est pas une démo. Le jeu, il sort demain. Le jeu, il sort demain. Ok, on finit ce chapitre et on décide si on continue, ok chat. Ok, on avance. Ok, là je recharge. Okay. Ah, donc ok. Est-ce que je peux le prendre avec moi, le soin? Ah, j'ai du soin avec moi, ok. Donc j'aurais dû le prendre avant, en fait. Ok, ok, ok. Heureusement qu'on peut redémarrer le chapitre. Hein. Donc là, il y a un mec. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai sorti hier. Ah, bon. Très bien, merci. Donc c'est pas une démo, c'est le jeu, quoi. Je sais plus s'il sortait le 28 ou le 29. Oh, une peluche. C'est trop important de passer à côté. Où je vais, hein. J'allume absolument pas où je vais. Non mais what the fuck? Oh là là, le nombre de bastos qu'il lui faut! Je vais recharger. Combien je lui ai mis? Il me semble que t'avais fait la démo. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ok, ça on l'a déjà vu. Ok, donc là je chope ça. Le problème c'est que là j'ai pas... Mais du coup faut que j'aille où alors? Là, c'est fermé. Mais... Oh non, mais c'est abusé. Ça, par contre, c'est abusé. Hein. Là, c'est fermé aussi. Okay. Là, y'a rien. Ok. Heureusement qu'il y a une roulade. Hein. Salut, Lali. Mais non, j'ai roulé. Oh, il m'a mis très très cher. Il m'a mis très très cher. Et je recharge. Ah, il tombe pas si je roule. Oh nice, c'est bon à savoir ça. Oh, c'est bon à savoir ça. Ok. Du coup, en fait, le truc, c'est que je comprends pas où je dois aller, chat. Ah oui, c'est gore. Hein. Ah, attendez, là. Ah, là. Ah, putain, il me faut un outil pour bouger ce truc. J'ai quoi comme outil? J'ai rien. C'est quoi, ça? Ok. Il me faut du... Ah, duct tape, electrical wire. Attendez, vous êtes devant. Des chemicals. Ok. Ah ouais, donc d'accord, c'est la pêche aux objets, quoi. Attendez, là, il y a un truc. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci énormément pour le sub. Je roule, je roule. Là, c'est fermé. Il me faut une clé. Holy shit. Est-ce qu'il m'attend derrière la porte? Ah, mais c'est Sarah! C'est Sarah!
Vous avez vu que c'était Sarah ? On est dans les douches là. Ah, je bourrine. Hein. Ah ouais, Sarah, désolé, mais. Salut, Scott. On s'éliminera les lunettes de soleil dans un lieu m'a éclairé, mais ça, c'est la classe américaine. Ok, donc là, on a récupéré la clé de la supply. Ok. On a la clé de la supply. Oh, on a le duct tape. Ok, nice. Il nous manque pas grand chose, hein. Charge mon gun, j'ai oublié si je l'ai fait. Installez-vous, installez-vous. Merci beaucoup. Oh, attendez, il y a un truc là. Oh, attendez, on a tout. Electrical wire, il nous manque juste d'accéder à la salle qui était fermée tout à l'heure et c'est bon. C'est torché. On va rouler pour aller plus vite. Oh non, c'est pas un train live maintenant, putain. Ok. Ouah, j'ai eu chaud là. Ici je crois. Ouais, c'était là. Ok, donc là il nous manque le dernier ingrédient qui sont les produits chimiques. Ok, le problème c'est qu'on peut toujours pas bouger le frigo qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut faire exploser le monstre normalement. Par là, je crois. C'était là. I need to find a way to kill that thing. Ah oui, il faut retourner à la boîte à outils, j'avais oublié. Comment tu vas, Elbabat? Ok. Et là, il doit y avoir la boîte à outils bientôt, non? Là, voilà. Là, ok. Donc là, il fait une bombe. Et on va tout faire péter. On va tout faire péter. Ok, ça devrait marcher. Je vais péter la gueule de cette créature. Ok. Ok, let's go. Ok. Attends, j'ai une clé sur moi, c'est quoi? Ah, ça doit être la clé du truc. Okay. Difficile d'avoir des repères quand même. Ouais, mais je trouve que c'est... ça va. On va arriver à la créature. J'ai pas compris le coup du frigo par contre. Tiens, choke on that, you bastard. Étouffe-toi là-dessus. Du coup, je peux passer. Ok, je peux passer. Et là, il y a le garage. Alors attendez, le garage. Ah, c'est un 6 coups, hein. Ok. Salut Epona, installez-vous. Oh, nice. Ouais, il faut leur tirer 12 balles dans la courge quand même. Attendez, j'ai le pied de biche. Je vais voir s'il y a d'autres trucs. Donc là, je peux aller bouger le frigo maintenant. Okay. J'aime bien, chat. J'aime bien. Note pour moi-même, plus c'est gros, plus il faut d'explosifs. Ah bah oui, c'est la base. Ok, le frigo c'était où, chat? Vous vous souvenez ou pas? Est-ce que vous souvenez où était le frigo? C'était pas ici, hein. Non, c'était pas ici. C'était pas ici, c'était plutôt vers l'entrée, je crois. C'était là, non? Là, voilà, c'était là. C'est bon. Un pied de biche pour bouger le frigo, c'est bizarre, il aurait pu pousser quand même. Ok. Voilà, la dispatch room. Je l'avais pas vu! Oh putain, c'est Ace? On va pas prendre de risque. Attends, mais combien de balles il lui faut à lui, là? Ah, moi, je fais des allers-retours. Hein. Et vous feriez pareil si vous étiez moi.
Oh là là, mais ce truc... La rafale, mais t'as vu ce truc du démon? Ok, la dispatch key room. J'arrive, hein. Ok. Donc on était obligé de le tuer de toute façon. Oh, quoi de pédi? Oh putain, c'est le scout. Ok, j'ai besoin d'aide. Je suis là. Beaver, c'est le shérif Russell. Je t'entends, je t'écoute. Oh merci, shérif. Oui, il faut que vous veniez au camp tout de suite. Quelque chose de terrible est arrivé ici. Ils ont tué le chien. Il m'a mangé mon bras. Eh mais ici c'est pareil, Beaver, tout le monde est mort. Tout le monde se transforme en monstre grotesque. Quoi? Mais c'est la même chose ici. C'est arrivé à Max aussi. Je sais pas ce qui se passe, mais ils m'ont plutôt fait mal. Ouais, ils t'ont arraché le bras quand même. Ok, j'arrive, Beaver. Écoutez-moi, avant que j'arrive à la station, j'ai entendu Ace à la radio mentionner que Teddy était de retour. Après avoir vu ce qu'il y a ici, je ne crois pas qu'il mentait. Quelque chose de diabolique a pris ses racines à Oakhart. Et ça doit être arrêté. Restez caché et en sécurité jusqu'à que j'arrive. Teddy? Mais comment c'est possible? S'il vous plaît, dépêchez-vous, shérif. Je saigne. Mon bras a été arraché. Ok. Ok, j'arrive, Beaver. Ok. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être de retour. Il faut que je me barre d'ici. Ou pas. Ok, chapitre 4, sympathique. Teddy, c'est qui? Bah, Teddy, c'est le tueur. Teddy, c'est le tueur. Coupé en deux net. Ah oui, net. Ranger Danger. Un peu plus tard, de retour au camp. Donc on a l'air de jouer le perso principal qui est maintenant Russell en fait. Hein. Heureusement il est toujours vivant. tu fais pas si bien dire. Ouais, je pense que c'est le perso principal maintenant. Oh, il m'a enlevé tout mon soin, c'est salaud. Mais du coup... Oh putain. Oh là, ça a pas l'air... Ok, it doesn't look good. Je me demande où Teddy va. Attends. What? Ah! Ok. Oh merde. Attendez, je suis dans les égouts. Ace n'avait pas de lunettes, c'est vrai. Où suis-je? Dans un... Une sorte de grenier. C'est l'art, c'est grenier, non? Il faut que je me baisse. Je peux tirer, là? Et je peux... Je pense que le boss de fin... Oh mon dieu, regarde. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Beaver? Putain, c'est Beaver, quoi. Quoi? Non, mais c'est abusé. C'est un boss! C'est un boss du cul! Putain, il y a un boss. Attendez. C'est trop bien. Oh merde, j'avais pas vu. Ok, je peux pas rouler quand je recharge. Wouah. Tu veux, tu meurs. Ok. Excusez-moi, chat. Je peux pas trop vous lire là. Oh, il scène de ouf. Il va bientôt mourir. Je trouve ça trop bien le fait de voir la vie qui lui reste au saignement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va la voir. Let's go. Ok. Trop bien le boss.
On enchaîne. Ok, donc j'étais bien dans la cave du truc. La situation ici devient vraiment de pire en pire. Teddy doit être derrière, d'une manière ou d'une autre. Il faut que je le trouve. Il faut que je cherche Ashley. Il faut que j'aille au camp aussi. Ok. Chapitre 5 terminé. Putain, en fait, il y a 8 chapitres, mais le 5 était vachement rapide. Hein. Non, j'ai pas trouvé le shotgun de Ace, malheureusement. Merci beaucoup, Sky One. Ok. Ah, pour 6 euros, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça manque un peu d'humour noir, tu vois, ils auraient pu... Mais bon, après, c'est son choix, il a décidé de mettre aucun humour dans le jeu. C'est le petit crêpe. Ok, attends, on va jouer Ashley. Ah non, on va jouer Lily. Ah mais non, Ashley, c'est la meuf qui l'a tué il y a un an, c'est ça. Salut, Ban. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je dois parler aux autres. Je dois parler aux autres comme quoi la route est bloquée. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Oh, un piège à ours. Nice, on va devoir s'en servir, je pense. Ok. C'est dans quelle pièce? Je sais pas. Ça doit être là, non? Ouais, c'est là. Écoutez-moi! Tout le monde! Je viens d'avoir le Master Beaver à la radio et j'ai une mauvaise nouvelle. On dirait que la route est bloquée par un arbre à cause de la tempête et donc on ne peut pas sortir du camp, il faut qu'on reste ici. On est bloqué ici pour la nuit. Ça sent le massacre, ouais. En même temps, des jeunes dans un camp de scouts avec un serial killer, on peut pas faire plus années 80 que ça, quelque part, tu vois. Salut, j'ai une question face moi, je peux te la poser. Vas-y, si je la vois, je t'y réponds, y a pas de souci. T'inquiète pas, Rose. On peut se faire des câlins ici, je te tiendrai chaud. Ok, donc Noah, c'est le beauf de famille. Vraiment ? On devrait mieux trouver quelque chose à faire. Sinon, on va s'ennuyer ici. Ouais, donc c'est que des jeunes qui sont dans un camp, mais ils ont pas envie d'y être, quoi. Je transpire dans mon dos, je pratique 2 mouvements de karaté. Ok. Et ça n'a pas l'air très intéressant, ce qu'ils nous disent. Hein. C'est des jeunes, quelque part. Salut, Furious. Bientôt fini le jeu, j'ai pas envie. De quoi tu parles, Robin? Attention, Robin. Hein. Ouais, don't be a buzzkill, Robin. C'est marqué. Hein. Bon, la traduction, il a du mal. Noah, tais-toi! Je n'ai pas censé leur parler de ça. Ah mais non, mais il y a Ashley! J'avais même pas vu qu'il y avait Ashley. Ok. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'attrape la clé de la cabine dans la bedroom. Ok. La bedroom, elle doit être à l'étage, non? Bedroom. Salut, Paul. Girl. Wow. Attendez, c'est ça? Ok, c'est ça. C'est moi ou la musique s'intensifie un petit peu, chat? Investigate de Beaver Cabin. Okay. Je suis sûr qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris. Il y a un truc qui relie tout. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Oh, stylé la cabine. Bienvenue au camp, Oakheart. Alors, donc là on peut pas y aller. C'est quoi ça? Oh shit, il y a une map? Mais non. Ok, Beaver Cabin. Oh, ça je m'y attendais pas. C'est juste des douches, ok. Il y avait Hawking, Ghost Stranger Thing. Ah, alors attendez, le courant. Ok, j'ai remis le courant, nice. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des outils. Ok, des outils. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer d'investiguer. Ok, d'enquêter, pardon. Et je peux pas aller de l'autre côté. Ah mais non, mais je ressors. Attendez, il y a des escaliers là. Il y a un moment et Teddy il va se ramener, chat.
Ok, c'est l'atelier de dessin. On dirait que tout va bien dans les cabines. Ah, elle fait de la peinture. Ok. Ok. Il faut que j'aille dans la... Il faut que j'attrape la clé de la vieille grange dans la bedroom. Ok. Oh putain, ils vont se séparer, ils vont mourir un à un. Non, mais c'est sûr. C'est un bug qui arrive de temps en temps. Ils sont au courant, ils essayent de savoir pourquoi. Ok. Hop. Ok. Let's go. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. Je pense que le boss de fin, ça va être le truc qu'on a nourri au début avec des cadavres. Il a dit la... Voilà ça, la ferme. Ah, lui, il va mourir, c'est sûr. Oh, ok, il veut travailler sur son camion. Il a un nouveau camion, il veut travailler dessus. Ok. The greenhouse. Oh putain, mais tu aurais pas pu me le dire avant. Ok, il a laissé la... ses outils dans la greenhouse. Est-ce que c'est ici? Ah oui, c'est là, ok. Ok, il va se passer un truc. Là, il sort et pan! Non? Il va faire la vidange de sa voiture. Le monstre va arriver, il va lui remplir la gueule d'huile. Il va mourir comme ça. Ok, donc lui, il travaille. Ah, mais ok, on va faire tous les persos à 1, quoi. On va faire tous les persos à 1. Et une fois que Ashley sera toute seule, Teddy va revenir. Ça va être ça. C'est pas une parodie, Yukov. Ok. Où j'aille dans la cabine Hawk. Ah, c'est pour Flo. Ouais, c'est Hawk, pas Hawkin, ouais. Après, peut-être que Hawking, ça vient du mec aussi, hein. Pas forcément de Stranger Things. Là, Hawk cabine. Ok. Oh putain, oh, vous le sentez venir la petite broyeuse là? Ah, si. Ok. Ah, si. Ok, là, je peux pas y aller. Tout cet investissement pour qu'il meure, tu vois, je suis assez d'accord avec toi. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'enquête. Enquêtons. Enquêtons. Donc en fait, eux, c'est tous les tuteurs du camp de vacances, quoi. Du camp de scout. Ah, les tuteurs. Hein. Sacré tuteur. Oh, la salle de bif. Ok. On dirait Clint Eastwood sur le tableau. Ok, faut que j'installe tout ça dehors pour pratiquer. Pour faire du karaté. Ah ouais, super. Donc le mec va... Oh putain, je croyais que c'était des gamins morts dans le lit, mais non, c'est des coussins. J'ai eu peur. Ah d'accord. Ya, ya, ya. Ok, super. Ethan a l'air d'être quelqu'un de fameux. Hein. Okay. Donc elle va aller au Rec Center. Ah, ils sont en couple. Ah bah ils vont mourir en premier. Hein. Le mec en premier, la meuf après. Et Ashley, du coup, va se retrouver toute seule, c'est ce que je vous disais. Merde, je suis allé sur le balcon, quel con. D'ailleurs, en parlant de balcon, j'ai vu un film qui s'appelle L'analyse d'une chute ou un truc comme ça. C'était vachement bien. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Ok, faut aller dans la Recreational Center. Ah, mais ils vont faire des papouilles. Ils vont faire des papouilles. En général, c'est pas la fille en premier, puis le copain. Non, mais là c'est le copain. Non, en général, c'est tout le temps le copain. Hein. La fille vient après, parce que la fille est sans défense, donc il faut tuer la chose qui la défend d'abord. Anatomie d'une chute, voilà, merci. Je cherchais le... C'était vachement bien. Ils vont faire le sex. Ok, il faut aller dans la tente. Okay. Quelle idée d'aller dans une tente, dans une forêt, quand il pleut, quoi. I want to go to my tent over by the fire pit. Ah, c'est de l'autre côté, ok. Ok,
Quelle idée à la con. Attends, avant que tu rentres, laisse-moi mettre... Ah non, il reste des bières dans le Rec Center. Va les chercher. Hé, t'inquiète, babe. Ok, faut qu'on aille chercher des bières. Enfin, une décision plausible. Okay. Ça doit être dans le dining hall. Kitchen, ouais, ça doit être dans la cuisine. Là. Allez, donne des bières. Oh, il s'en prend comme ça. Ok, il se tape une binouze comme ça, direct avant de... Ok. Et du coup, Ashley est toute seule. Et du coup, Ashley, il faut qu'elle aille où? La squirrel... Donc, la cabine de l'écureuil. Ok. Bah, écoute. Bien un jour, bien toujours. Ok. Donc, en fait, Ashley était vachement jeune quand elle a tué le mec. Parce que là, elle a pas l'air d'être... Elle a l'air d'avoir 25 balais, quoi. Et encore. Cette session, elle est un peu... Faut voir, mais je trouve qu'elle est un peu longuée pour rien. Enfin, elle est pas trop longue, mais... Faut voir, en fait. Parce que faut voir si tous les persos meurent ou pas. Parce que si tous les persos meurent, je vois pas trop l'intérêt de nous faire jouer les persos. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, on va aller là. Faut que je check les... Ah, les fishing supplies. Ok, les trucs pour pêcher. Et qu'il faut que je me... Faut que je sois sûr que le congélateur soit toujours allumé. Là. Ok, est-ce qu'il y a des choses qui ont mal tourné? Ça a pas l'air. Ok. Et donc là, le flic devrait pas tarder, non? Ah non, Teddy. Et donc là, on joue Teddy. Donc là, on va buter les deux tourtereaux. Oh, attends, est-ce que je suis obligé de les buter? Ouais, je suis obligé de les buter. Attends. Je regarde hein, si je peux pas aller ailleurs. Non, je peux pas aller ailleurs. Ah, s'habituer à avoir de la boucherie, ça te laisse l'imagination de comment ils vont mourir. Ben ouais, c'est cool. C'est pour ça que je vous dis, allez voir, si un modo peut mettre le lien dans le chat, allez voir mon let's play de Happy Hills Homicide. C'est pareil que ça, mais en 10 fois mieux, puisque tu joues le serial killer, et c'est un puzzle game sur comment tuer des gens, mais c'est tellement drôle. Mais c'est tellement drôle. Et tellement gore. Ça, c'est rien à côté, hein. Noah, c'est toi? Tu as attrapé les bières? Laisse-moi sortir! Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, mais ça, c'est un hommage à Jason... Freddy contre Jason? Merci, c'est Litar. Voilà. Il est dans le chat, le lien du let's play. Happy Hills Homicide. Allez voir, il est excellent. Ça, c'est dans Freddy contre Jason. Je crois qu'il en tue une comme ça. Alors, attends... Je peux pas aller... les bières, c'était où? Je peux pas y aller? Jason X? Peut-être Jason X. Ah, c'est peut-être Jason X. Je me souviens pas, mais c'était Jason, c'est sûr. 100%. Faut que j'aille où, là? Allô? Merci pour le follow. J'ai essayé de rentrer dans la baraque, ça marche pas. Oula, oula. Pourquoi j'ai une débroussailleuse? Attendez, pourquoi j'ai une débroussailleuse? Non. Merde. T'as raté une interaction, bah merci. Salut! Alors, ça fera pas ça une débroussailleuse, hein. Sauf si c'est une vraie lame, mais normalement c'est un fil en plastique. Ok, super. Ok, donc c'est ça en fait, on va tous les buter. Comment? Avec la fourche? Avec la fourche? Ouais. Ça pareil, c'est dans Jason, je crois. En fait, je crois qu'il a copié des morts dans les Jason. Ce qui est assez cool, hein. Ok. Ah, la broyeuse!
C'est sûr. Allez, des bisous. Alors, ça m'appelle un film qu'il faut que vous voyez, qui s'appelle Tucker. Tucker versus Evil. C'est un film d'horreur gore, mais tellement drôle. Je sais plus exactement le nom, je crois que c'est Tucker contre le mal ou un truc comme ça. C'était trop, trop, trop drôle. Qui êtes-vous? Vous pensez pas qu'on est un peu loin? C'est un peu trop tôt pour les costumes d'Halloween? Beck, tu ferais mieux de te barrer. Je te préviens, je connais le karaté. Ok, c'est toi qui as demandé. Roya! Alors ça, on le savait. Ok. Ok, ok. Le dernier Evil Dead, c'est pareil. J'ai pas vu le dernier Evil Dead, il est bien. J'avais bien aimé le remake de Alvarez. Même si beaucoup de gens n'avaient pas aimé, mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ok. Attendez, c'est qui déjà dans la Beaver Et du coup, j'imagine que le chapitre final, on va jouer Ashley. Tucker and Dale, voilà, fight le mal. Putain, il était trop bien ce jeu. Ah oui, la fille qui dessine. Donc elle était dans la petite cabane derrière, elle est pas ici. Alors comment on va la tuer? Avec un pinceau, un tabouret? Est-ce qu'on va peindre avec son sang? Salut. Putain. Putain, faut y aller pour tuer quelqu'un avec une toile de peinture. Et donc là, on joue Ashley. Ok, tout a l'air normal ici, je devrais voir comment vont les autres. Ok. Il faut que j'aille. Ok, faut que je retourne où j'étais au début. Ah, c'est pas ici. Une nature morte, ouais, c'est un peu ça. Après, Ashley, elle a de la chance, mine de rien. Ok, c'est ici. Ok, let's go. Donc là, elle va se rendre compte que tout le monde est parti. I need to check in the other counselor. Comment ça, the other counselor? Ah non, ok. Je croyais que le counselor, c'était le nom de la pièce. Il faut que j'aille voir les autres où ils sont. Ok, ok. Bah oui, ils sont tous dead, mais elle le sait pas. On va commencer là-haut, cabine. Oh, les expressions de visage sont vachement bien faites, je trouve. Ah bah ça, c'est Ethan ou pas, je peux pas te dire, hein. Je peux pas te dire. Il reste pas grand chose du bougre. Jack! Oh mon dieu, non! C'est fermé. J'ai besoin de la bonne clé. Ouais, non, mais on rentre pas, on se casse, hein. Se casser, c'est bien aussi. Alors là, c'était qui déjà? Squirrel, c'était qui? Squirrel, c'était moi, j'ai pas besoin d'y aller. On va aller dans récréation. Donc là, c'est les baiseurs. Ah, il y a plus. Oh, il l'a mis en brochette. Oh mon dieu, Rose. Oh shit. Oh, les clés. C'est les clés de quoi? Du Recreation Center, ok. Oh non, il l'a mis en brochette. En méchoui, plutôt. Ok. On va aller dans la cuisine. Les animations des cheveux, j'adore. Ok, c'est Noah. Bah, je sais pas. Ok, il faut que j'aille dans la supply... il faut que j'aille dans la supply room pour trouver une arme. Ok, le problème, c'est que je sais pas où est la supply room. Oh non, arrête. Tu parles pas de tacos, tu vas me donner faim. Ok, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme arme? Parce que là, il va pas avoir d'arme à feu. C'est un camp de scouts. Pas d'armes à feu, si? Les scouts, ça tire pas. Une pagaie ou un. J'ai rien dit. On a un sniper. Ah non, c'est un fusil à fléchette. Un fusil tranquillisant. I can list track it. Ah, ok. C'est un fusil qui peut balancer des fléchettes un peu GPS ou tu vois. Ok. Je sais pas où est Lily. Il faut que... Ok. I need to get back to the consular cabin et the radio. Et la radio. Ok.
Est-ce qu'on va checker Lily ou pas? Ok. On va être poursuivi à un moment, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Lily était où? Beaver Cabin. Vas-y, on va checker. Checker Lily vite fait. Fusil hypodermique, ça s'appelle. Ok. C'est fermé. Bon. Oups. Fuck Lily. Désolé à toutes les Lily qui nous regardent. Ok. Consoleur. Qu'on aille appeler la police. Ah, la police, ils sont un peu occupés en ce moment. Ah! Oh, elle est pas dead! Ah, si. Lily! Laisse-la partir! S'il vous plaît, aidez-moi, Ashley. Lily! Oh, c'est pas moi qui joue. Ok. Putain, c'était Teddy, c'est pas possible, je l'ai tué cet enculé. Ok, je pense pas que cette armoire va le garder en dehors de la maison pendant très longtemps. Faut vite que j'aille à la radio room et que j'appelle la police. Ok, ok, radio room, radio room. Radio room. Radio. C'est un peu dégueulasse, ouais. Petit côté martyr. Oh putain, évidemment, elle est cassée. Non, la radio a été smash. Ok. Arita Dada. Ok, il a enlevé la fléchette, la flèche quand je l'ai shooté. Peut-être qu'il ne sent plus rien. Si jamais, je peux peut-être le coincer dans un piège à ours. Let's go. Je pense pas que je m'en sortirai d'ici. Je ne laisserai pas au moins celui qui a ensuite de cette façon. Ah oui, il faut que je laisse un mot. Si jamais il y a des gens qui viennent. Elle est smart. Non mais Ashley, c'est pour ça qu'elle survit. Elle est smart. Ok, j'ai un piège à ours. J'ai un piège à ours. Le balcony. Je peux mettre le. Ok, je peux mettre le piège sur le balcony. C'est mon barreau d'honneur. Ok, le piège est ici. Et là, j'attends ici. J'attends ici. Okay. Au pire, je saute, je me casse la cheville. Ok. Ok, j'ai une seule chance. Il faut que, faut qu'elle monte. Got you, bitch. J'ai tiré. Ta mère là. Il fallait pas tirer. Attendez. Non, le jeu est trop cool. Attendez. Il fallait pas tirer? Ou alors il fallait tirer au bon moment peut-être, attendez, faut que j'attende encore un peu. Ou alors que je me rapproche. Ah, que je le pousse, regardez la barrière, elle a l'air... Ok. Je comprends pas. J'ai tiré quand il était piégé, ça a rien fait. Je tire quand il est plus piégé, bah je meurs. Sauter, mais je peux pas bouger. Vous m'avez vu faire gauche-droite, en fait, j'essayais de bouger, mais je peux pas, je peux juste tirer. Je peux juste tirer. Regardez, j'essaie de bouger, je peux pas. Je peux pas. Ah, il faut que je recharge. Attends, Teddy. Je la veux vivante. Amène-la-moi. Je vous servirai. Oh merde! Bah écoutez, je sais pas ce qu'a changé. Je sais pas ce qu'a changé, John. A tout de suite, YouTube. L'avant-dernier chapitre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Stealth, pour le cinquième mois. Merci beaucoup. T'as tiré, il a la flèche dans la peau. Mais tout à l'heure, il l'avait aussi, mais j'ai peut-être tiré un peu tard. Écoute. Merde. Je peux pas bouger cet arbre. Faut que je trouve une façon, ok. On dirait que je dois me déplacer à pied. Il y a un petit sentier, je vais essayer de le suivre. Ok, il faut que je prenne un petit extra power, une petite arme, tu vois, une petite puissance de feu en plus dans le coffre. Dis-moi que c'est ce que je pense. Ah ouais. Maintenant, ça va chier. Je peux changer d'arme. Le problème, c'est que je sais pas combien j'ai de balles en fait. C'est ça le problème. J'ai l'air d'avoir les balles illimitées, mais je peux tirer que deux fois, non? Ok, on va rester au pistolet pour l'instant. Ok, let's go. On va tomber sur le chien, non?
Salut Dank, tu vas bien? L'avant-dernier chapitre. Je pense que le dernier chapitre, c'est le boss. Ok, faut que j'aille dans la cabine du déconseiller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. On dirait que ce qu'il y a à la station de police a aussi, est aussi dans ce camp. Il faut que je passe cette chose. Il faut que je vérifie si les gens sont en vie. C'est pas moi qui tire. Hein. Mon shotgun n'a rien fait. Merde, faut que je trouve un autre moyen de me débarrasser de cette créature. Ok, j'ai trouvé les clés de la Beaver Cabine. Ok. Beaver Cabine. Putain, le chapitre 6 et 7 sont vachement longs. Hein. On va recharger. Mais du coup, ça veut dire... Oh, comment ça tu me touches? Non mais c'est abusé. Ah, je vais plus vite si je fais ça. Ah, en fait, faut que je sois derrière lui sinon il me touche. Ah, super. Ce chien. Putain, on l'a tué deux fois du coup. Ah désolé, j'ai pas eu le choix. Non mais le chien, c'est bon, calmez-vous, c'est, ça a plus rien à clep ça. Arrêtez. C'est payé à mon cul. Alors attends, j'ai plus de vie, faut que je trouve de la vie. Ah, salle de bain peut-être. Ah, il y a un petit côté survival que j'aime bien. A été ok. Là il y a quoi? Il y a des outils. Oh putain, faut encore que je trouve des trucs. Ok. En fait, le jeu est sympa, la note d'attention est sympa, la musique est sympa, l'atmosphère est sympa, mais il manque un truc, tu vois. Il manque un truc, je trouve. Pour que le jeu soit vraiment bien et fun. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on va devoir se taper contre Lila peut-être. Oh, il y a de la vie. Faut que je m'en serve. Ok, nice. Ok, ok. Heureusement que le jeu est pas long. Ouais, ça manque, je sais pas, il y a un truc qui manque. Peut-être l'humour, c'est peut-être l'humour qui manque, je sais pas. En fait, je pense que... C'est pas qu'il manque des trucs, c'est qu'il y a des trucs en trop. Je pense que toute la session... Attendez, faut que j'aille où déjà, j'ai oublié. Ah oui, faut que je... Bon, écoute, on va tout faire. Je trouve que la session d'avant où on devait, tu vois, faire tous les persos et tout, c'était un peu trop, je trouve. Ok, je vais essayer de changer d'arme. Recharger. Oh, je suis vachement plus lent avec le fusil à pompe, hein. Ah ouais, je suis vachement plus lent en fait. Hein. Et elle, elle est vachement plus rapide. Ok, par contre, c'est vachement plus efficace. Ok, j'ai entendu un autre truc. Ah, je sais pas. Après, le fait de voir un peu comment ils meurent et de les contrôler, de voir tous les buter à la fin, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal en fait. Histoire de chipoter un peu, tu vois. Ok, là, y'a rien. Mais attends, mais lui, il s'est fait exploser. Comment il va être, du coup? Il va être en bouillie? Le speedrun. Ah, il doit être par là. Supply. Attendez. Oh! Oh, excellent! C'est des... certains youtubeurs que je follow. Let's go. DreadXP, le co-directeur de DreadXP, c'est le... C'est le développeur de Mortuary Assistant. Sympa ça, ce petit clin d'œil.
Ok, j'ai ça, j'ai du propane, j'ai de la vie, let's go. Ok, il me manque quelques trucs. Donc je pense que dans la ferme, il y avait des outils ou un truc comme ça. Ok. Merci, Oz. Les rêves sont stylés, ouais. Généralement, dans ce genre de jeu, les rêves sont toujours stylés. Ah, attends, là, il n'y avait rien. Ok, là, il n'y a rien. Let's go, baby. Dans 10 minutes, c'est fini. Ici. Attendez, j'ai du mal. Là. Attendez, c'était quel boss là? C'était Lila? Oh putain, je l'avais pas vu! Ouah! Ah, mais je peux juste faire ça en fait. Ou pas? Il est rapide. Je vais prendre le gun, il est trop rapide. Ok, je peux pas le toucher pendant son animation d'attaque. Oh, mais c'est de la merde! Il va trop vite en fait. Ok. T'as sursauté? Bah, je l'avais absolument pas vu quoi. Le mec peut recharger pendant qu'il passe les portes, mais il peut pas recharger et faire une roulade. En même temps, essayer de recharger une arme et faire une roulade. C'est assez compliqué. Ah, je vous avoue, j'ai testé, c'est difficile. Attendez, combien il nous manque de trucs? Ok, il nous manque un seul truc. Ok, nice. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va aller bah, ici. Je crois que c'est ici les outils. Hein. Oula, lui il va se réveiller. Merde. Ok, je crois que j'ai la bonne technique en vrai. Oh nice! Ouais, j'ai la bonne technique, j'ai la bonne technique. Ok, j'ai la clé de la ferme. Soigne-toi, mais j'ai pas besoin. J'entends pas mon cœur battre. De battre, mon cœur s'est arrêté. Ok, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que je trouve un atelier. Alors attends, l'atelier il est où? Attendez, vous avez vu ce qui est marqué derrière le chat? Ici. Oh mon dieu, salut Jade. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. L'atelier. Alors attends, l'atelier il est où? L'atelier il est où? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? L'atelier... Il est dans la cabane? Ce serait là, c'est le seul endroit où je suis pas allé. Cette cabane est complètement infectée. Il n'y a aucun moyen que je rentre ici. Ok, donc ça doit pas être là. Au début, quand tu es arrivé. Au début, ok. Donc ici. Ah ouais, non, non, non. Ah non, l'atelier, il est pas là du coup. Faut que je trouve un atelier. Beaver Cabin, non? Barbecue Boy. Merci beaucoup, Nini, pour le sub offert à Barbecue Boy. Incroyable. Ça doit être là, je pense. Ou alors, attends, la salle après. Il n'y avait pas une salle? Là. Ça doit être là. Ah non, ça, c'est un atelier de peinture. Fuck. Attendez, un atelier, c'est où il y avait des outils qui me servaient pas tout à l'heure. Ça doit être là, il y avait plusieurs portes. Ok, les chiottes, on s'en fout. C'est là. Ok. Donc là, je fais un explosif. Oh, mais non, un lance-flamme du coup. Oh ouais, baby. Time to cook that creature blocking. Ok, time to cook, baby. Oh, c'est bon, ça. Ouh, c'est bon, ça. Eh, il est à la classe. Lance-flamme, chauve, lunettes de soleil Ray-Ban. On est bien. Je comprends pas pourquoi le patron a été heureux. Quelqu'un peut expliquer, s'il vous plaît. Heureux de quoi?
Ah, bah parce qu'on a un lance-flamme. Tout simplement. On est un peu comme Leonardo DiCaprio dans Hollywood. Burn in hell, little bitch. Ok. Oh, il ressemble à un poulet. Ok, j'ai rien dit, il y a un peu d'humour. Il y a un peu d'humour quand tu as Christian. Ok, il y a une peluche en haut. Ok, ça va chier. Ok, ça, je peux pas le cramer. On va aller sur le balcon, chercher la peluche. Hop. Attends, du coup... La radio. On va prendre la vie. The Thing, ah ouais, pas le nouveau. Ah mais le nouveau n'existe pas. Ok, il y a une note. Oh, il lit la note de Ashley. Teddy est venu, on est tous morts. Ils sont tous morts. Je l'ai shooté avec une avec un GPS flèche. Utilisez le tracker. Oh, nice. Ok, le tracker, il est où? Il est là. Let's see. Voyons voir. Il y a un ping sur l'écran. Ça veut dire qu'il est pas loin d'ici. Ashley, tu es une fille très intelligente. Allez, on est parti. Ok. Ok, ok. Cuisson à point. Mesdames et messieurs, pub à tout de suite. YouTube à tout de suite. On entame le dernier chapitre. Le dernier chapitre, mesdames et messieurs. Final chapter. Merci beaucoup Alexia pour le 9e mois. Stealth qui est 5e mois. C'est l'heure d'aller tuer le monstre. Pas de soucis, ça. Ok. Le ping m'amène ici. Ok, je vais regarder un peu autour de moi. Ça va chier. J'ai encore mon lance-flamme. On va rester au lance-flamme. Ok. Oh, attendez, vieille baraque. Ah, mais c'est la baraque du tout début. Merde, c'est rouillé. J'ai besoin de quelque chose pour la rendre un peu moins rouillée. Ah bah j'ai un pied de biche. Okay. Je pense que c'est l'ancienne propriété des Barker. Elle a été abandonnée il y a un an. C'est là qu'il s'est caché durant tout ce temps? Ah mais c'est la maison d'Ashley au début, non? Possibilité de les sauver sans marche arrière. Ouais, tu vois, un truc avec plusieurs fins, ça aurait été sympa, je trouve. Le jeu est cool, mais... Attends, on va le finir. Mais je trouve qu'au niveau scénar, manque un petit truc. Manque un petit twist, un petit, tu vois. Ou des choix multiples, ouais, comme on disait. Ok. Toutes les fenêtres et les portes du premier étage sont barricadées. On dirait que la fenêtre du deuxième étage est cassée. Ah, si seulement je pouvais trouver un moyen de monter là-haut. Ok. Donc, faut trouver une échelle. Moi j'aurais fait un tas avec les poubelles, pourquoi pas, mais... Alors attendez... J'ai peut-être loupé un truc... Oh... C'est un camion de glace, ça? Ça parlait de camion de glace au début, non? Attendez, il y a une porte... Attendez, je regarde, hein... Un petit diablotin... Salut Mensky, salut Creed, installez-vous. En général, vers 2h. Puis demande jusqu'à quelle heure tu comptes stream si c'est pas indiscret. Oui, y a pas de souci. D'habitude, y a pas vraiment d'heure, mais c'est vers 2h, 2h30 en général. Le stream dure 4h en général. Oula, je me demande où on va. Hein. Okay. Oh, l'échelle. Ok, nice. J'aime bien le bruit quand tu ramasses des objets. La musique. Un vieux camion de glace, ça doit être celui de Teddy. Il est plutôt abîmé, mais j'imagine qu'il marche toujours. Je n'ai pas la clé cependant. Ok. C'est gentil, merci. Camion de glace, ça me rappelle de mauvais souvenirs le jeu d'hier. Oh putain, oui. Eh, point d'exclamation last dans le chat. L-A-S-T. Si vous n'avez pas vu le jeu d'hier qui était Decimate Drive, c'est une. Pour moi, il est dans mon top 5 des meilleurs jeux de l'année, je crois. Ok. Ah, attendez, il faut que je me concentre.
Wow, shit, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je suis sûr que c'est un piège. Mais non! Ah, ma main! Ah, il faut débloquer l'échelle. Avec les boutons. Ok, je peux pas l'ouvrir ça. C'est fermé. Je ne peux pas atteindre cette échelle. Ah, faut le faire dans le bon ordre. J'ai l'impression. Ok, c'est facile. Ah, c'est stylé. J'aime bien. Hier, c'était masterclass sur masterclass. Ah merde. Ok, donc le troisième. Ok, souvenez-vous-en, 3. Je vais attendre que ça remonte. 3. Aïe! Ok, c'est pas 3-1. Ah, je peux dodge! 3. 4. 2. 1. 3, 4, 2, 1. Et du coup, c'est le dernier. Nice. Ok. Prendre le flingue. Ok, je tue les bébêtes. Hein. Je m'emmerde pas. Je te tue, moi. Ok, on a un truc ici. On va prendre le lance-flamme. Oh putain, j'avais pas vu qu'il pouvait... Ok. Ok, ça va débloquer la porte. On va recharger. Très sympa, la fin. J'aime bien. On débloque la porte. Ok, c'est fermé. Ok, faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. On a de la vie. On a combien de vie? 2. On va la garder parce que ça sent le boss final. Mais non, il y a de la plateforme. Ah non. Holy shit. Holy shit. Ah ouais, ça devient hardcore. Ok, ok, ok. J'ai pas analysé la situation. Moi, j'y suis allé tête baissée, chauve. Crâne vers l'avant, tu vois. Tel un bélier, mesdames et messieurs. Rien à voir, je suis pas bélier d'ailleurs. Ah ouais, mais là, je peux pas y aller. Attends. Ok, recharge, recharge, recharge. Allez, bitch! Ok, c'est bon. Je vais me soigner. J'aime bien ce passage. Un peu technique. Ok. Là, faut que je prenne le lance-flamme. Ah oui, merde, attends, y a des tronçonneuses, quoi. Putain, mais je suis trop loin, je suis obligé de me faire toucher, en fait. Attendez. Ah ouais, mais tu vois, ça passe pas. Ok. Je vais recharger. Ah, ça doit jouer au pixel perfect, hein, sans mauvais jeu de mots. On va prendre le pompe. Shit. Charger le pompe. On dirait une ancienne chambre d'enfant ou... Sérieux, 4 balles, ça suffit pas? 5. Ok, 5. Ok, ok. I got you. Tu roules. Oh, il a failli me mind game. Allez, dégage. C'est comme des boss en fait, c'est des sortes de... Ok. Oh putain, il m'a défoncé. Je vais crever. J'en ai eu un. Ça met en pause ou pas? Ok, ça met en pause. Faut que je me soigne. Ok. Ok, putain, j'ai eu peur.
je sais pas trop ce que c'est. Hein. Honnêtement, je sais pas ce que c'est, ce sort de truc visqueux. On a une porte ici. Ok, on a une énigme. Ok, on a 4 boussoles. 4 boussoles, mesdames et messieurs. Oh putain, une chambre d'enfant. Non, mais c'est abusé, l'animation de sortie, là. Excusez-moi. En général, j'aime pas trop ce genre de jeu, mais je trouve que c'est stylé. Il est vraiment bien. Okay. Saloperie de gamin. Bah, y'a, je vais essayer de lance-flamme. What? What? Non, non, mais c'est abusé. C'est abusé. Et il m'a retouché. Il m'a retouché avant que je sorte, hein. Je viens de me faire défoncer. Salut, Adrien. Sors, 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 sors. Ok. Ok, ok, let's go. Oh, et ça nous donne les symboles. Ok, c'est une métaphore, vous le savez. On va pas se soigner tout de suite. Ok, souvenez-vous des symboles, ok. Le vert, c'est un hochet. Et le rose, c'est une clé démoniaque. Ok. Installe-moi, installe-moi. Comment tu vas, Shy? Attendez, on est trop près de la fin, là. Le vert, c'est un hochet. Le rose, c'est la clé... Mais non, mais tais-toi. C'est la clé démoniaque. Ok. C'est bon, I got it. Alors. Oh putain. Ça sent les zombies, là. Fils de... Ok, faut que je me soigne. Je pense qu'on peut l'esquiver, ça, en vrai. Putain, mais c'est vraiment abusé, quoi. Ok, je vais essayer d'esquiver avant de tirer. Là, je le vois par terre. Ah, c'est moi qui joue mal, en fait. Okay. C'est moi qui joue mal, excusez-moi. Là, pour le coup, c'est moi. Ok, le jaune, c'est un escargot. Jaune, escargot. Et bleu, c'est les Jeux Olympiques de Paris, mais ça va être la merde. Ok, jaune, c'est escargot. Oh, d'ailleurs, en parlant de... Enfin, ça me fait penser à des boules, là, les trois boules. Une annonce, vous en avez absolument rien à foutre, mais j'ai mon père qui vient me rendre visite au Japon le mois prochain. Et je sais pas si ça tombe bien, mais il y a un tournoi de pétanque. C'est la première fois que je vois ça. Dans mon voisinage, il y a un tournoi de pétanque. Et du coup, je me suis inscrit avec mon daron. Ça va être trop drôle. Un tournoi de pétanque à Hiroshima, quoi. J'en ai jamais fait de ma vie, fallait que j'en fasse ça au Japon, c'est ouf. Mais si, il y a un tournoi de pétanque, quoi. C'est insane! Et je trouve ça plus fou que ce qu'on est en train de vivre là. Ok. Cet endroit est un cauchemar. Un tournoi de pétanque. Je trouve ça trop bien. Merde! Ok. Merde. Ah merde, je vais faire spawner l'autre. Ah non, il n'y en a pas d'autre. Okay. Ok. C'est incroyable. Et t'as fait... ça t'a fait penser aux boules. Bah ouais, trois boules. Tu joues à la pétanque avec trois boules quand t'es en doublette. Ça se voit que tu les maîtrises pas trop, toi. Hein. C'était sûr, c'était sûr. Non mais attendez, ça devient jouable. Oh, il peut pas. Tu tires, on te pointe. Ah, il peut monter. Non, mais attendez, c'est quoi ce délire? Ah, il s'en fouilleux maintenant. Il s'est dit, tiens, je vais monter. D'accord. Ok. Faut que je prenne le lance-flamme. J'aime bien le choix de level design et de gameplay, comme quoi une arme est mieux efficace sur certains, j'aime bien.
ça fun. Sur certains monstres. Okay. Let's go baby. Ok, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Ah ouais d'accord, ça marche pas sur eux. Donc les petits, tu vois, il faut mieux le gun. Ok. J'ai vu hein, le medkit, calmez-vous. On va recharger. Non, le jeu est cool. Ok. Salut Thibaut, comment ça va ce soir? Moi je rentre à peine du concert de Nino, je suis un peu fatigué. D'accord, je connais pas du tout Nino. Mais j'espère que t'as passé un bon moment. C'était fatigué sûrement, oui. Attendez, faut que je recharge mon gun. Non mais c'est sûr, le boss de fin, c'est le gros monstre dégueulasse, c'est sûr. Ouh, attendez. Ouh, ça sent le boss là. Ce trou est énorme! Quelque chose de massif est passé à travers le mur. Comme un monstre. Est-ce que c'est Teddy? Teddy doit pas être loin, je le sais, je le sens. Les Japonais qui sont un petit tournoi de pétanque. Non mais je trouve ça incroyable. Non mais, allez, c'est Elitar, no joke. Hein. Mon père et moi, on arrive, on va tryhard. Hein. Mamanovic, des gros bisous. On va tryhard la pétanque, ma couille. Hein, on représente la France. Hein. On est d'accord, la pétanque, c'est français? Ça se trouve, je dis de la merde. C'est pas français ou c'est français? D'ailleurs, ça s'appelle pétanque au Japon. Voilà, c'est cadeau. Vous avez l'info. Ouais, non mais... Non, parce que... Je préfère poser la question. Moi, je pense que... Il me semble que c'est français, mais tu sais, des fois, on peut se tromper. Hein. On a dit français. Oula, attendez. Teddy! Freeze! Tu es un... Espèce de monstre, tu vas périr pour tout ce que t'as fait au résident d'Ockhart. Ok, le boss. Oh, il s'arrache le masque. What the fuck? Must feed master. Putain, c'est un fan de Metallica, on est dans la merde. Comment je suis censé le tuer là? Attendez, comment je peux esquiver ces attaques? Attendez. Ouais, c'est français, hein. Attendez. Ok. Je sais pas si le pompe, c'est une bonne idée, en vrai. Le pompe, c'est assez lent. Le lance-flamme, c'est encore plus lent, chat. C'est vraiment lent. En fait, faut que j'arrive à esquiver ces attaques. Ok. On dirait que tu peux te planquer dans les murs. Ah, je suis pas sûr, hein. Parce que j'ai pas d'interaction quand je suis dans le mur. Je pense qu'il faut que je roule au bon moment en fait. Ah si. Oh. En fait il est. Ok, je me suis baisé tout seul. Attends. La musique est cool, la musique est vraiment cool. Il y a un truc à faire comme ça en fait. Ah putain, j'ai appuyé deux fois comme un blaireau. Ok. Attendez. Ok, c'est ça qu'il faut faire. Nice. I got it. Easy game, baby. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Jean? Ah, il faut que je le brûle. Faut que je le brûle quand il est au sol. Oh! Faut que je le brûle, là? Oh, mais je me fais défoncer, je peux pas le brûler. Oh, c'est dur, putain, c'est dur. Hein. Attendez, faut que je me soigne. Ok. Mais comment je fais là? Non, mais attends, c'est impossible. J'ai déjà perdu quasiment toute ma vie.
Alors à la manette, j'aurais moins de mal, hein. Je peux pas vous mentir. J'ai plus de balles. Par contre, j'ai plus de soins. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Non! Non mais attends, non mais c'est abusé. C'est abusé. Ok, j'ai plus le droit de me faire toucher, sinon je suis dead. La masterclass du joueur français là. Quand tu veux. Attends, j'ai rechargé mon lance-flamme, je vais le recharger. Okay. Attendez. I got it. Laissez-moi me... Burn in hell, little bitch. Il est pas mort. Ok, en fait, faut pas que j'essaie de le tuer, faut que juste que j'essaie de survivre. Le temps que sa phase, là, elle se finisse. C'est moi qui cherchais trop compliqué. Mais non, Boulawan! Easy game. C'est bon. I got it. C'est parce que j'essayais de le toucher pendant la phase où il était... Ok. Ah, franchement, c'est un bon boss. J'aime bien les patterns qu'il a. Je trouve ça pas mal. Bon, bah, ce sera du second try, c'est pas grave. C'est bon, I got it. C'est le boss de fin, I got it. Tais-toi. C'est toi qui va feed le master, ferme-le. En fait, ouais, tu vois, faut bien que j'attende qu'il soit à côté de moi. Tout à l'heure, c'était trop tôt, en fait. Est-ce qu'il y en a qui ont compté combien de balles il faut? Je pense que le gun c'est la meilleure option. Ouah, c'est pas passé loin. Il est là. On lui crame sa gueule. On recharge. On prend le gun. On recharge le gun. On est... Oh mais... Bon, c'est pas grave. Easy. Et on enchaîne. Ok, tu vois, ça va, je me suis fait toucher qu'une fois. Ah oui, 22 balles quand même. Hein. Donc ça fait quasiment 4 chargeurs. Mais je pense que c'est plus safe. Je pense que c'est plus safe que le fusil à pompe, parce que le fusil à pompe, il est trop long. Et là, comme j'ai le timing, je préfère pas changer, tu vois. Salut mes yeux. Recharger maintenant. Je ferai le ménage après. Je me suis pas soigné, j'avais pas entendu le battement de cœur. Ah putain.
Ah, il est casse-couille ce boss, hein. Il est casse-couille, hein. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Merci Suprajoke également. Ah, il est casse-couille. Je vais essayer au fusil à pompe, tu sais quoi. Au point où on en est. Il est casse-couille, mais il est bien fait, je trouve. J'adore ce que tu fais, merci pour ton contenu. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a encore un jeu à faire après, hein. Donc, ne partez pas. Un jeu qui a rien à voir, hein. Un jeu des différences. Ou du Phasmo. Ou du Phasmo. On verra. Ça peut être bien aussi un peu de Phasmo pour changer. Okay. Alors j'ai pas compté les balles, je compte sur vous. Oh, ah c'est plus rapide non? Un sondage, hein. Calmez-vous. Pas besoin de vous exciter dans le chat. Je vous vois déjà. Comment ça, je l'ai pas touché? D'ailleurs, un shotgun, ça n'a pas que deux cartouches. Normalement, ça en a beaucoup plus. Hein. Je crois que c'est 7. Ok, c'est là que c'était compliqué. Juste que j'esquive. J'ai pas besoin de me faire chier à essayer de les tuer en fait. Et là j'essaye de les tuer. Ok, et là je fais le ménage avec le flingue. Hop. Et une fois que j'ai fait le ménage, je repasse sur le pompe en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Faut que je fasse le ménage. C'est bon, je l'ai eu. Je vais passer aux pompes du coup. S'il y a le battement de cœur, vous me le dites, hein, parce que des fois je fais pas gaffe. Je suis à fond dans le truc. Je pense. Oula, c'était pas loin là. Je pense qu'on va se le faire. Ok, prochaine fois. Mais tu peux en placer direct dans la chambre. Ok, nice. Je l'ai pas rechargé, mais quel teubé! Charger maintenant. Et je donne tout, hein. Et avec un clavier, c'est chaud, hein. Putain. Avec le clavier, je galère. J'ai rechargé le lance-flamme ou pas? Je crois que oui, hein. Oh, ça me touche quand même! J'ai entendu le battement de cœur, calmez-vous. Je veux pas me tromper de bouton. J'ai entendu. Et tac. Je passe sur le gun. J'essaie de tempo un peu. Ah, il m'a touché quand même.
je fasse le ménage. Ça va passer, ça va passer. Top. Ça va passer, ça va passer. On va recharger maintenant. J'ai pas rechargé le lance-flamme, on est d'accord? Faut que je recharge. Ok, faut que je recharge le lance-flamme. Je crois que c'est pour ça que vous vous excitez dans le chat. Ok, faut que je recharge le gun. Ok, et ensuite on passe au pont. Okay. Merde, je devrais pas recharger maintenant, c'est pas grave. On peut recharger pendant qu'on change en fait d'endroit, de trou. La galère. Ah ouais, en fait c'est ça, je peux recharger. Donc en fait je peux recharger directement quand je me téléporte. C'est vachement plus simple. Si je peux lui foutre plus de cartouches. Recharge. Oh, j'ai eu. Je l'ai pas eu. Si, je l'ai eu. Assez. Viens à moi, Teddy, je m'occupe de la fin. Oh, c'était la première forme du boss, il y en a une autre, à tout de suite, YouTube. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a fait tomber quelque chose. Tu le verras après la pub, YouTube. Et après, boss final. Ok, qu'est-ce qu'il a fait tomber? Les clés... Oh, les clés du camion. Qu'est-ce qu'on fait, chat? Porte ou clé du camion? Clé du camion. Le crescendo du jeu, c'est ouf. Ouais. Attendez, je vais tout recharger. Attendez, hop, on recharge. On va voir le camion, hein. Non, c'est les clés du camion. Ah, mais je peux pas sortir. Ok, ça doit être pour la fin du jeu, peut-être. Il faut peut-être s'évader en camion ou je sais pas. Ok. Ok, le boss final. Le boss final. Est-ce que j'ai encore de la vie? Ok. Holy shit. Ashley! Il faut que je la sauve. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. You useless flesh bag. Espèce de sac à viande inutile. Tu m'as déçu pour la dernière fois. Je sais pas pourquoi la traduction marche plus ici. Okay. Donc là, il va se nourrir de Teddy. I will serve you, master. Et il a bouffé Teddy. Ça a l'air compliqué. Disgusting. Alright, you ugly son of a bitch. It's time to die. C'est l'heure de mourir. Ok. I have to shoot the tentacles when they land on the ground. The fire has no effect. Eh, hey, comment j'étais censé le savoir? Ok, je vais reload au dernier checkpoint. Bah ouais, bah ils auraient pu me le dire avant ça. Putain, bon chance. Pas mal. Ok. Donc on va prendre le pompe et shooter les tentacules. Allez, dépêche-toi. Ok, on va prendre le pompe. Donc il faut que j'esquive quand elle me tape dessus. Comment j'esquive, putain? Ah, vers l'avant. Ah mais il y en a une deuxième. Non mais attendez, c'est impossible. Le nombre d'ennemis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est impossible. Clavier, mais comment tu veux jouer à ça au clavier, quoi? Attends. Ouais, c'est trop long, je peux pas prendre. En fait, faut que je prenne le gun. Je peux aller plus vite avec le gun.
Bah fais des roulades, non mais c'est au clavier, je pense pas que vous vous rendiez compte. Il faut que j'appuie sur 1, 2, 3 pour changer d'arme. Les touches directionnelles, E et F et R pour recharger, prendre des objets. La barre d'espace pour faire des roulades. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Eh oui. Putain, faut qu'on se retape, cinématique. Ah, c'est comme jouer à Dark Souls au clavier quoi. Oui, c'est faisable. Est-ce que c'est kiffant? Non, pas vraiment. Et là, en fait, je comprends pas comment esquiver sans qu'il me touche. C'est ça le truc. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Ah non, bah attends, c'est beaucoup trop long avec cette merde. Je vais rester au pont, quoi. En fait, le problème du pompe, c'est que t'as le cooldown de ton rôle qui est vachement plus élevé que sur le gun. Je suis désolé, hein, mais c'est impossible. Le mec, il me touche à 2 mètres! Oh nice. Ok. Ok, en fait ça va, il faut que 2 balles. Je pensais que c'était comme les monstres d'avant, il en fallait plus. Ok, ok. On va y arriver. Ok, on va recharger. Ça joue au pixel, hein, c'est un truc de ouf. Oh! Ah, il faut tout allumer, ça va tout exploser, ok. Ok, il a fait apparaître personne, ça c'est cool. J'ai rien dit. Ah ouais, en fait, c'est ça le souci. Est-ce que j'ai le temps de tirer 2 fois là? Oui. Ok, ça va. C'est bon! Tu reviens dans les minutes. Bah ouais, tu fais comme tu veux. Fais bisous. Merde! Elle s'est tournée! Putain. En fait, si je tire bien à l'avance, en fait, ça passe tranquille. C'est juste qu'au début, on n'avait pas vraiment de place. Ok, on en a un ici. Okay. Donc ça, c'est juste la première forme, j'imagine. Je vais recharger avant de foutre le feu. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Là, ici. Ok, j'ai tout allumé. Oh, je lui ai cramé sa mouillasse. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Okay. One more time.
One more time. Ok. Ok, ok. Ok, j'ai encore un truc ici. Le boss est cool, le boss est cool. Lui, il va se retourner. Attends, Tubi. Sauf que c'est là que ça devient dur, parce que c'est ces deux-là qui vont se... Ouais. Donc il faut que j'esquive le premier. Et que je le shoot. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, chat. La musique est cool, on dirait... ça me fait penser un peu à Castlevania, moi. Die, motherfucker, die. Ah putain, je vais me prendre un coup. Non, ça va. Il tire du mauvais côté. Je comprends pas pourquoi il me touche, putain, j'esquive. Je trouve ça ouf. Oh nice, merci. Toi tu dégages, on recharge. Allez, plus que deux, plus que deux, plus que deux. Non, attends lui. On recharge encore. On va y arriver, il faut être méthodique. Dégage. Ils vont arriver de quel côté? Là-bas. Ok, là c'est facile. C'est la partie facile en fait. C'est le début qui est dur. Quand t'as pas de place. Là on a de la place pour se déplacer donc c'est tranquille. Ok, attention, celle-là elle va se retourner. C'est la dernière, Jack. Un peu stressant. Je kiffe. Ok, c'est bon. C'est bon, on a gagné, on a gagné. Il reste plus qu'à tuer les deux zigotos là. Hop, un en moins. C'est bon, c'est gagné. Sauf s'il a une troisième phase. Et là, par contre, il y a du danger, je peux rien pour vous. Ok, let's go. On va appuyer sur le bouton. Tout est rechargé normalement. Let's go. Burn in hell, you monster. Brûle en enfer. Sacoche de foot. Oh merde, faut se barrer. C'est pour ça qu'on a besoin du camion. L'endroit est sur le point de s'effondrer. Faut vite qu'on se barre d'ici. Ok. Balance un sondage de 5 minutes, 5 ou 10 minutes, modération s'il te plaît, sur est-ce qu'on fait du face moi après ou est-ce qu'on fait un jeu des différences. S'il te plaît. 5 minutes le sondage, c'est pas mal. Ok. Ok, let's go. Il est l'heure de se barrer. Ok. À mon avis, si ça finit comme dans les années 80, il va y avoir un twist comme quoi il est pas mort et puis tu sais, il y aura une suite, un truc comme ça. Allez-y, vous avez un sondage, vous savez 5 minutes. Attendez, il va y avoir. Attendez, attendez. Oh Ashley, ça va être Ashley. Ashley, je suis sûr qu'elle est. Elle est infectée. Elle est infectée. Je suis à peine sortie vivante de cet enfer. Elle va se transformer, c'est sûr. Il n'y a rien... Attends. Il n'y a rien qui raconte à quel point Oakenheart a été infesté par Teddy et ce monstre. Ace, Adley, Sarah et tellement d'autres sont morts ce soir. Je n'ai pas pu tous les sauver. Je n'ai pu en sauver aucun d'entre eux. Juste Ashley. Mais au moins, je l'ai sauvée elle. Ashley, tu es sans sécurité maintenant. Elle va se transformer.
cauchemar est enfin fini. C'était sûr. Voilà, c'est ça comme musique que je voulais pendant le let's play, moi. Oui, bah c'était prévisible le film des années 80 aussi. Eh bah c'était vachement bien. C'était pas ouf, c'est pas un banger absolu. Je trouve qu'il manque trop d'éléments de gameplay ou des trucs pour que ce soit un banger. Notamment la musique, je trouve qu'elle est pas assez bonne. Ça c'est mon avis. Et tu vois, s'il y avait eu cette musique là, pendant le let's play, ça aurait été mieux, je pense. Mais je chipote, hein. Ça reste un très bon jeu quand même. Morale de l'histoire, s'il y a bien une chose que vous ne comprenez pas, détruisez tout. Mais non, mais surtout, il aurait dû se barrer. Hein. Tout le monde va crever, bah ça n'a rien changé, tout le monde est mort de toute façon. Quand tu vas Kitty. Et franchement, le chara-design, le pixel était joli. Hein. C'est pas le plus joli que j'ai vu, mais il était vraiment joli. Hein. Ça fait plaisir. Et même le perso qu'on jouait, il était cool. Pour 6€, franchement, pour 6€, on a vu des plus grosses arnaques. Hein. Celui-là, il était vachement bien. 2h30, 6€. Apparemment, il y a un petit truc supplémentaire et il y a un mode New Game Plus. On va regarder ça, on va pas le faire. Mais c'était vachement sympa. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est la troisième découverte, il nous en reste 6 à faire cette semaine. On va devoir streamer dimanche encore. Non, Terrifier, ça n'a rien à voir. Juste parce que c'est un clown tueur, mais... Moralité de l'histoire, si tu commences le boss, dis à ta mère que t'es pas prêt de manger. Eh ouais. Eh, ça va, j'ai pas trop galéré, je trouve, sur le boss. Hein. J'ai un peu ragé, mais c'est un boss, quoi, c'est normal. Qui joue à Dark Souls sans rager? Et regardez, j'ai débloqué Mr. Tops Murder Mayhem. Je sais pas du tout ce que c'est. Des bisous ici. Attendez. C'était vraiment bien. Je veux juste voir ce que c'est vite fait le DLC que j'ai débloqué là. Mais c'est très gentil au dev de m'avoir filé la clé. N'hésitez pas à le wishlister ou faites point d'exclamation jeu dans le chat. Alors. Yeah. Alors attends. Donc il y a Teddy's Playroom. Teddy's Playroom, c'est où on a mis les petites peluches qu'on a trouvées. Donc ça doit être pour les trophées. Il y a des trophées. Hein. J'ai... combien j'ai de trophées, je vais vous dire. J'ai 10 trophées sur 2. Il me manque le DLC et il me manque de trouver toutes les peluches. Regardez. Ok, donc on doit sûrement débloquer un petit truc, une petite cutscene, tu vois, quand on finit tout ça. Ok. On quitte. Et du coup, on va voir le DLC. Ce que c'est ? Il va encore plus piquer. Je veux au moins jeter un coup d'œil à la prochaine démo. Alors, il n'y a pas de démo. Hein. Il n'y a aucune démo. C'est que des découvertes de jeux complets. Hein. Alors, attendez, je veux juste voir le DLC. Qu'est-ce que c'est ? C'était derrière le chat. Attendez, attendez. Ça se trouve, c'est une dinguerie, le DLC. Hein. Oula. Donc ça, c'est Suffer the Night. Je crois que c'est le perso de l'ancien jeu du mec. Bonjour. Ah non, mais c'est tout en anglais. What? Attends. C'est une sorte de... C'est une sorte de hack and slash? Attendez. C'est quoi ce jeu? Il y a l'air d'avoir des fantômes, de la stamina, on a du dash. Ok. On va pas le faire. Hein. Ok, je vous laisserai la surprise si vous finissez le jeu. C'est cool qu'il a rajouté un petit jeu comme ça. Et la musique est cool en vrai. Attaquer les barricades pour les casser. Ok, je veux juste voir en fait s'il y a un système de craft ou d'ennemis ou...
Ah, il faut juste tuer des... Ah, on les transforme en zombies. Ok, bon, c'est un petit jeu sympa. C'est sympathique, écoute. Je vous laisserai le faire, mesdames et messieurs. C'est cool qu'il ait rajouté ça. C'est sympa. En fait, ouais, on incarne une sorte de Freddy, ouais. Qui doit être le monstre de son ancien jeu qui s'appelait, je crois... Silent... Non, c'était pas Silent Night, c'était un autre truc. Bref, YouTube, j'espère que t'as kiffé. C'était Terror at Oakheart. C'était très sympa. Merci à la traduction, évidemment, qui aide toujours. 2h30 au lieu de 2h. Et je suis assez fier de moi. J'ai beaucoup aimé. T'as déjà mon avis, de toute façon. T'as le lien du jeu dans la description. Et puis, t'as le lien aussi du Twitch et du claquage d'Oli, si jamais tu veux supporter cette chaîne. Je te fais des gros bisous, le chat aussi. À la prochaine, YouTube. Que des découvertes, des bonnes découvertes en ce moment.